J'ai pas les droits au... J'ai pas les droits sur la voix de ma fille. Pas les droits. Les chansons qui sont chantées au Seigneur. Je souffre. Je ma chanteuse à ça de bon en ligne. Elle concert tous les soirs, moi. Oh. Ma juge, elle est où? Elle va faire un second coupon live. Que j'ai dû dire. Tu allais baisser le volume de la chanteuse, ouais. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir, 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 bonsoir. Bienvenue sur la plateforme La Révolution. Alors, bon, ma Gigi va arriver, ne vous inquiétez pas. Elle va arriver, ben, j'attends qu'elle vienne, qu'elle fasse le partage. Et après, ben, on lance les hostilités. Bonsoir, bonsoir Yves Bertrand. Ouais, attends ma Juju. J'ai baissé le volume de ma chanteuse. Coucou, malicieuse. Tu as justement en retard. Il y avait un concert qui n'a pas de nom ici. Obligé d'aller négocier avec la chanteuse. Coucou ma Juju. Obligé d'aller négocier que hey, maman, le volume touche fesse pour t'entendre chanter. Merci pour l'appel, ma Juju à moi. T'as vu, ma juge, elle arrive, elle est en train de faire l'appel. Elle est juste en bas de toi. Elle arrive là. Bah, elle est en train de faire l'appel. Puis après, elle va monter sur le plateau me rejoindre. T'inquiète pas. C'est jamais sans ma juge. Ça, c'est comme ça. C'est à la vie, à la mort. Jamais ma juge. Et pas en mariage, nous sommes en mariage, je veux un mariage. L'homme qui nous épouse, il nous épouse nous deux. Et...
Ah oui, ma Juju. L'homme qui nous épouse, il nous épouse, nous deux. C'est comme ça. Voilà. Lui-même, dans sa tête, là, il faut qu'il sache que. Voilà. Si j'ai pris Juju Mirabel, et à la place de Juju Eton. Si j'ai pris Juju Eton, et à la place de Juju Mirabel. Ah oui, il doit avoir les vrais Mimbang. Parce que le jour que ma Juju m'appelle, c'est ma que Juju. Hein? Parce que dans tout ça, moi, c'est le genre que je suis la deuxième femme qui garde la maison, tu vois. Voilà, je sillonne, je viens, je regarde si tout va bien. Voilà, s'ils vont bien. Voilà, tu vois là. Après, je rentre dans moi dormir de l'autre côté. Mais si j'entends seulement que ma juge a mal quelque part, oh là 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 là, mais le gars va lui le. Il va faire les bons, il va dire, hey! Pareil avec ma juge, si je pars quelque part, elle-même elle a positionné, elle veille. AVC plus plus. Elle a avoir les couleurs que. Est-ce que c'est vrai ce que j'entends là? T'es sérieux là? Bonsoir, notre personne, Emmanuel est là. Bonsoir, notre personne à nous. Bébé James, bonsoir. Bonsoir, ma grande, t'as vu? On écoute, hein? On écoute. Voilà. Alors, moi-même, je vais faire le footing. Quand c'est comme ça qu'elle va le bagarrer avec le mari, même. Je fais le footing d'abord. Quand j'arrive là-bas. Je ne cherche même pas à savoir si c'est ma soeur qui a tort. Je donne d'abord les coups de poing. Tout, 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 tout. Salut, salut ma grande bébé James. Salut. Merci. Venons parler de l'actualité. L'antenne libre pour tout public. N'oubliez pas. Venez mettre les organes. Venez, on va causer. Hein? L'actualité est chaude ce soir. Je sens que les gens bouillonnent. Ils sont en train de bouillonner à l'intérieur. Antenne libre. Pour tout public. Antenne libre. Ouais, mon visage est rouge alors commence à apparaître. L'hiver comme ça là, il manque seulement ma couleur rouge. Coucou, ma petite Larissa. Bonsoir, ma petite puce. Ça va? Antenne libre. Il n'y a rien où. Il faut qu'elle vienne. C'est elle qui aime souvent causer avec les. Qu'elle vient. L'antenne est libre. Ma petite puce là aussi. Qu'elle vient. Bonsoir Alex, Alex. Bonsoir ma Juju. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, tout le monde. As entendu ce que j'ai dit, non? Les gars qui vont nous passer les bagues, ils vont seulement nous épouser à deux. C'est ça que les questions. On va le tuer avec on va le tuer avec la WC. Larissa Lane, nous aussi on apprend ça, Non, si on n'est-ce pas, apprend ça, ma petite puce. nous aussi on apprend ça Oui, apparemment, comme tout le monde. on a libéré un goût. Nous aussi, on apprend ça, on découvre. On ne sait même pas si on l'a libéré ou s'ils ont l'intention de le libérer ou. On ne sait même pas. On entend ça que bon. On attend l'enfant. L'enfant.
L'enfant ne vient pas. Yeah. On attend ma petite soeur. Nous aussi, on attend où il est libéré ou il n'est pas libéré. Nous aussi, on attend ça ici, là. Comme la femme attend Le bébé. sa première fille ou son premier garçon, elle est à la recherche d'une fille ou d'un garçon. Et on attend, tout le monde attend que est-ce qu'elle va accoucher un garçon, est-ce qu'elle va accoucher une fille, qu'est-ce qu'elle va Accoucher une accoucher. fille. C'est comme ça qu'on attend l'autre là-bas, là, moi. On attend. Voilà, nous, ma juge et moi, lorsque mercredi, on vous donnait rendez-vous ce soir, c'était sans savoir qu'on aurait une nouvelle On aurait une qui va devoir. grosse nouvelle comme ça qui va tomber un vendredi comme ça. Une nouvelle qui va vraiment tomber comme ça et qui va devoir bouleverser tout le monde. Parce que lorsqu'on pense comment est-ce qu'en janvier, nous tous nous sommes battus ici pour que la vérité se sache, jusqu'aujourd'hui, la vérité ne s'est pas su. On ne sait pas qui a tué réellement Junior Zoro. Pas Junior Zoro. Qu'est-ce que tu vois, Junior Zoro? Pardon, Junior Zoro, excuse ma vie. Ce n'est pas toi qui as tué Martin. Junior Zoro. Parce que quand les présumés coupables sont dehors, qu'est-ce que. Qui nous dira la vérité? Comme je l'ai toujours dit ici, il n'y a que Dieu qui nous dira la vérité, qui connaît la vérité dans cette histoire-là. Et c'est Dieu qui va. Ben, tu rien. Et c'est Dieu qui va, comme chante souvent Lady Paul, c'est Dieu qui va nous juger. C'est C'est Dieu Dieu qui ça va qui va juger cette nous affaire-là. juger. Oh oui, c'est Dieu qui va juger cette affaire-là parce que il y a quelqu'un qui a Junior Zogo. Martinez, je ne connais pas mort tout seul. Ma juge, je ne ris pas. Bonsoir Solange, bonsoir le grand Solange Ngenya. Bonsoir à Ça, ma toi. grande. Lorsque on sait qu'il y a quelqu'un sûrement qui est caché derrière la mort de Martinez Zogo. Et tu vois les présumés coupables qui sortent. Tu te dis que, bon, d'une part, ce que beaucoup avaient dit ici, que ce qui est sûr, c'est que seulement il y a la guerre des clans, la guerre des successions. On ne sait pas réellement qui a commis ce meurtre-là. Si Amokubelenga lui dit, il a toujours dit que ce n'est pas lui, qui a donc tué Martinez Zogo? Question. Qui a tué Martinez Zogo? Question. Voilà, Voilà. bonsoir, bis Tanga, bonsoir. Bonsoir, Bis Ouais. Batanga. Qui a donc tué Martinez Zogo? Voilà. Voilà. Donc, on se pose donc maintenant des questions que maintenant que Eko Eko et Amokubilinga sont dehors, qui a donc tué donc, si parce que quand tu Martinez. analyses ça veut dire que c'est le un des clans. Qui a. Parce que ce qui est sûr, c'est que c'est un des clans qui a massacré Martinez Zogo. Ce qui est sûr, c'est ça. C'est un des clans. Mais lequel alors? Bon. Non, Et je ne connais pas. on ne connaît pas. Et ce qui est sûr, c'est que si on laisse Amokublinga, ça veut dire que Amokublinga a raconté la vraie version de l'histoire. Oui, Exactement. la vraie version de l'histoire. Parce que il a fallu que. Parce que si c'est avéré que Eko et l'autre sont des, ça veut dire que il a raconté la vraie vérité, même si c'est que ça a touché certaines personnes, ça a éclaboussé certaines personnes que nous, on ne connaît pas. S'il est dehors, ça veut dire que la vérité est là. La vraie justice va commencer, exactement, la vraie justice va commencer pour ceux qui ont voulu manipuler le même et utiliser les gens comme si... Ah, on verra. Sa version est pas la vraie version. Attention aux mots.
Ok, le Bédjim, bon, peut-être sa version. Il a Sa raconté. Ce version qui est sûr, c'est à que lui. le Bédjim, oui, ce qui est sûr, c'est que il y a quelqu'un qui est derrière le meurtre de Martinez Ozoro. Et qui, alors, si on fait sortir Amukulinga, ça veut dire que lui aussi, il a raconté sa part de vérité, en fait, sa part de version. Comme bébé Jim s'est dit, il a raconté sa part de version. Coucou, bonsoir ma grande aînée. Bonsoir, mon aîné. Il a raconté sa part de vérité et le juge a essayé de balancer. Et si s'avère, donc ça veut dire que tous les deux clans ont participé. Tous les deux clans ont participé à nous. Et cette histoire-là, c'est vraiment compliqué. Comme moi, je l'ai dit tantôt, moi, je ne vais. S'il y a quelqu'un, je me souviens lorsque cette histoire s'est sortie en janvier, ma juge et moi, on était ici tous les jours à faire des lives, à dire que. Oui. Ma juge et moi, on était ici à dire que Yenawa, il Hey, doit aller en prison. on a tellement. Oh, mais là, j'attends seulement. J'attends la justice maintenant. Là, que la vraie justice commence. La justice de Laurent Esso ne peut même pas faire justice. Nous tous, nous le savons, toutes les affaires du Cameroun, comme toutes les affaires du Cameroun, aucune justice n'est rendue dans ce pays-là. On connaît toujours comment les choses finissent. On connaît comment les choses finissent. Donc, la seule chose. La seule chose qui peut vraiment nous rassurer, c'est la justice divine. Nous dire, interroger notre Dieu, parce que dire à Dieu que si ceux-là qui étaient là, ou ceux-là qui sont censés nous lire la loi, ils ne veulent pas nous lire la loi. Seigneur, nous convoquons ta justice pour qu'elle vienne nous lire la loi, pour qu'on sache réellement qui a tué Martinez Ozogo. Bonsoir, mon fils, j'avais ça. Bon. En tout cas, venez, on débat sur l'actualité parce que Non, ça la fait la plateforme. tiens. Oui. Non, ça fait On seulement sur la qualité. débat un Ah peu là là sur là. tout, hein. Celui-là vient de tomber. Donc la nouvelle est fraîche. Les gens sont fatigués. Les gens sont estomaqués dans leur canapé. Gens en discutent, on parle de tout, de rien. Tu as le palu? N'aie pas le palu, mon fils. Je vais te soigner, je vais te mettre la Le perfusion. palu, il faut pas avoir le palu, j'avais ça. Faut pas Je avoir vais le te palu. mettre une Kinimax, tu sais ce qu'on nous mettait à l'époque, non, mon fils, Kinimax forte, c'est ce qu'on nous mettait dans les perfusions. Je vais te mettre la Kinimax forte, mon fils. Il n'y a pas de palu qui tienne. J'ai besoin de toi, mon fils. On a besoin de toi, ta mère et moi. Ta tante et moi, on a besoin de toi, donc zéro palu qui tienne. Zéro palu ce soir, c'est pas la peine de tomber malade. Oui, ma bébé Jim, il a raconté sa part de vérité. C'est vrai qu'il a raconté sa part de vérité. Ce qui est sûr, c'est ça. Il a raconté sa part de vérité. Le juge Sikati Wafo est un vrai juge, si c'était le juge Atangal. Hé, tu quittes vite. Si Mon c'était fils, un juge j'avais ça. Atangana, j'allais moi-même douter. Tu es choqué? Ouais. Courage, courage, mon neveu. Courage. C'est comme ça les affaires de ce pays-là, mon fils. On va beau dire, on va beau parler. C'est comme ça les affaires de ce pays-là. Si on se bat pas, si on ne se bat pas, si on ne se bat pas, si on ne se bat pas. Et en réel que mon commandant a fait, je crois ce matin, que si on ne se bat pas, si on ne se bat pas, il n'y aura rien qui sera fait. La Rien que ça diaspora a fait. combattante s'est levée ici-là. On a commencé à faire peur à ce gouvernement-là. Les gens ont commencé à se disloquer. Les gens ont ramené le tribalisme dans le combat. Les gens ont ramené la sorcellerie. Les gens ont ramené tout. Voilà. Le Vous un peu savez comment chantage, là. Le tout, chantage, tout. tout ça là. Tout ça est venu dans le combat. Voilà qu'aujourd'hui, vous-même, vous savez, en janvier, lorsque toute la diaspora s'est mobilisée, nous étions tous à fond la caisse. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a quand même eu, les choses ont quand même bougé.
Et quand on dit aux gens, restons comme ça, solidaires, restons soudés, parce que ce pays-là va tous bouffer ses enfants. Ce pays-là va bouffer tous ses enfants. Il y a des morts. Il y a des morts qui se passent au Cameroun. Il y a des choses qui se passent au Cameroun. Quand on dit que dénonçons, les gens font les politiques, quoi, donc on veut dénoncer. On ne veut pas dénoncer. Les gens font semblant de dénoncer. Ils ne dénoncent pas. Il faut cacher certaines non, ils vérités et s'exposer. Ils ne dénoncent pas. Voilà. Ils choisissent qui dénonce. Comment voulez-vous que les choses avancent? Les choses ne peuvent pas avancer dans ce où on dénonce tout, où on ne dénonce rien, où on se tait. Exactement. Où on dénonce tout, où on se tait. Parce que bonsoir, si vous ancrez... mon beau Basilo, bonsoir, notre ciel. Mon Basilo. Bonsoir, Abyss Batanga. On t'a dit bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux-là qui se connectent. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Hein. Voilà. C'est pour ça que je suis en train de dire que si nous nous sommes levés pour que les choses changent dans notre pays, on vous a toujours dit que ma juju et moi, où on est là, il n'y a pas de magouille qui tienne ici sur nous. La magouille ne tient pas la route. Même si tu es une autre personne et que tu ramènes quelque chose qui nous tord le cerveau là, nous on te dit qu'on n'est pas d'accord avec ça. On te dit qu'on n'est pas d'accord. Nous ici là, il n'y a pas de magouille. Ne venez pas nous s'embarquer ici là. Eh oui, exactement. On nous a prouvé pas. Bis Batanga. Bis Batanga. Je vais te racler un peu ici. Hein. Je vais te racler. T'as pas oublié. Hein? Bonsoir, 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 mon Basilo. Bonsoir, bonsoir, Basilo. Bonsoir, bonsoir, mon grand. Comment vas-tu? Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on ne pleure pas. Ma juge, on ne pleure pas. Oh. Interdit de pleurer. Interdit de pleurer. C'est interdit de pleurer. Interdit de pleurer parce personne que. Pleure. Non, personne ne pleure. Mon fils, oh. Personne ne pleure, mon fils. Parce que. Personne tu ne vois, pleure. On a lorsque caisse, nous sommes unis, on se calme. Interdit de pleurer. Oui, oui, oui. Interdit de pleurer. Interdit de pleurer. Mon fils, j'avais ça. Parce que quand on dit, c'est que mettons-nous ensemble pour dénoncer les vraies causes. Personne n'écoute. Les gens s'en vont dénoncer, les gens s'en vont boycotter les petits artistes qui souffrent comme nous. Voilà comment est-ce qu'il s'appelle. Voilà notre frère Samy qui est mort ici. Là. Voilà notre frère Samy qui est mort ici. Là. Il avait quoi? Même s'il avait, le voilà qui est abandonné. Ses obsèques même abandonnés. Jusqu'aujourd'hui, il est abandonné. J'ai le cœur brisé. Quand je pense qu'on va l'enterrer, là, je voilà, les artistes ont quoi? C'est pour ça qu'on dit aux gens, laissez les artistes. Eux-mêmes, ils souffrent. Voilà un artiste qui est mort. Qui s'occupe de son cas? Qui s'occupe de son cas? Personne. Les artistes, eux-mêmes, ils souffrent. Allons plutôt les aider. Regardez le cas de notre frère Samy Lenoir ici là. Regardez comment il a été abandonné. Oh, s'il avait le soutien du peuple, il n'allait pas, les choses n'allaient pas se passer de la sorte. Quand on dit aux gens, mettons-nous ensemble pour aller dénoncer ce genre de choses que nous sommes en train de vivre ce soir avec Amoukoubelinga, on n'a même pas encore prouvé le vrai meurtre. Parce que quand on a attrapé quelqu'un, il faut bien qu'on trouve le meurtre. Mais on le fait sortir. Peut-être qu'il a raconté la version des faits. Peut-être qu'on se dit que bon. Mais il y a eu les enquêtes. Va... Oui, enquêtes oui. Il y a eu les enquêtes. Donc voilà, peut-être qu'on l'a relâché. Parce que voilà, et puis peut-être que l'affaire est en cours. Bon, voilà, moi je ne vais pas trop épurguer dessus parce que voilà. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé. Nous, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé. Voilà, donc, je n'ai plus de voix là-dessus parce que voilà, j'attends aussi comme tout le monde. On attend. Voilà, je ne vais pas non plus venir dire n'importe quoi pour faire plaisir aux gens. Ben non. On a les enquêtes sont en cours, bon, on va les suivre. Hein. Pourquoi les enquêtes fonctionnent pour les autres et ça ne fonctionne pas pour lui? Il a aussi la droit, il a droit, il a droit. Donc, voilà, moi j'attends. On attend comme tout le monde, hein. On attend comme tout le monde. Nous, on ne peut rien dire, ma Julie. Moi, c'est une nouvelle aussi, bon, c'est une petite parenthèse aussi, que nous aussi,
on donne aussi notre avis par rapport à ce qu'on a appris ce soir. Donc voilà. Donc nous, notre part. Mais j'attends et alors, oh, engagé. Non, c'est comme ça, voilà, les affaires de notre pays. C'est pour ça que nous autres, quand on s'est levé, c'est pour que le changement soit effectif dans notre pays. Mettons-nous, vous-même, vous avez vu ici, à chaque fois que la diaspora a été unie, on a fait bouger les lignes au Cameroun. J'ai vu, comment il s'appelle? Je ne sais pas si tu as vu la vidéo de... J'ai partagé ça sur ma page. Comment il s'appelle? Cabral Libi. Maman, Cabral Libi. Maman, Cabral Libi, il a fait son one-man show. Maman, sur... il a fait son one-man show sur... attends, Brica, je t'ai dit. Je vais aller après. C'est que comme quand je suis arrivée, je suis... depuis le jour là, je n'ai pas été sur Facebook. Attends, ma juju. Attends. Tu es fausse. Oui, je peux écouter, ouais. Attends. Voilà. Attends. Le volume n'est pas, ma grande. Le volume n'est pas, juju. Le volume n'est pas. Oui. Attends, je mets un peu le volume. C'est bon? Manque le volume, non? Attends, j'enlève un peu les écouteurs. Attends. Ah, bah, là, si tu as les écouteurs, bah voilà. Attends déjà. Attends alors. Je crois que tu m'entends déjà. Attends. C'est la dernière fois. Tu parles pas là-bas. Respecte-moi ta hiérarchie, quelle question. Ce président, nous sommes pas allés où le peuple nous a envoyé ici. Merci. Mambasa. L'homme. C'est le peuple. Mambasa dit que on ne sort pas. C'est le peuple qui nous envoie. Mambasa dit que Mambasa ne les laisse pas. Ouais, ça y est. Voilà. Donc, Mambasa a dit qu'il ne sort pas. Donc, quand on dit aux gens, on ne sait pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Quand on dit que mobilisons-nous, parce que quand nous sommes unis ici, ces gens ont peur de la diaspora. Ils savent que quand on dit qu'on gâte, c'est ça gâte. En deux, les élections, c'est bientôt là. Vous voyez comment est-ce que, comment il s'appelle, Cabral Libi, c'est un opposant, c'est un président d'un parti politique. Mettons-nous tous derrière tout le monde, parce que nous, on est là, on n'est pas des politiciens. Nous, on est là pour le combat, pour que les choses, celui-là qui sera le comment il s'appelle, celui du Mali là, c'est lui qui va nous prouver, qui va taper Sanko. La main sur la table. Sanko. Pas Sonko, celui du Mali. Mali. L'autre, celui du Mali, c'est l'autre là. Comment il s'appelle encore? C'est Robeg. Quelqu'un pour mettre son nom? Oui. Soyons, celui qui va faire comme celui du Mali ou bien celui du Burkina Faso, et comme Ibrahim Traoré. Simi Guetta. Voilà. Assimi Goïta. Celui qui va être Assimi Goïta du Cameroun ou Ibrahim Traoré de la Guinée, on va le suivre. Ibrahim Traoré, non, il n'est pas de la Guinée, il est de Burkina Faso. Burkina Faso. Ouais, on va le suivre. Les hommes intègres. Pierre du Niger, on va vous suivre.
On va vous suivre parce que c'est le changement que nous voulons dans ce pays-là. Même si ça nous vient d'où, on va suivre. Pour cela, nous, enfants de ce pays-là, qui nous sommes levés, que ce soit au Cameroun, que ce soit en diaspora, soyons unis, soyons main dans la main. Il n'y a pas d'ethnie lorsque nous voulons aller libérer une dictature de 41 ans. Il n'y a pas d'ethnie là-dedans. Et la plateforme doit se lever. Et la plateforme de la réunification, nous n'avons pas d'ethnie ici-là. Nous voulons tous ceux qui veulent le changement. Nous voulons. Les opposants, là. On les attend. Ici. On attend tout le monde. Ici. On attend tout le monde. Comme ma juge, tant que de dire. Ma juge, allô? Oui, oui. Voilà. J'ai perdu. Je croyais que tu es. Tu t'es muté. Oui, oui. Donc, le changement, où qu'il vienne, nous, on est prenant. Nous allons prendre d'où il va venir. D'où il va venir. Nous, on n'est pas là pour dire qu'on est là derrière un homme politique. Ne nous attendez pas là. Nous, on est là pour que les conditions de vie des Camerounais, de tous les Camerounais, changent. Je me suis levée pour le Cameroun. Pour le Cameroun. Rien que pour le Cameroun. Pour le Cameroun. Non, pour un. Avec une ethnie quelconque ou un candidat ou un candidat qui sera relevé pour le Cameroun. Quel Cameroun. Voilà. Bisba, Tanga, toi avec ton fanbiaï. Après, on a dit que nous sommes des franquistes ici là. Pourtant, nous, on n'est pas franquistes. On nous accuse déjà. Pourtant, nous ne sommes pas des franquistes. Chaque fois, tu nous ramènes franquistes ici. Là. Après, on va nous accuser que ma juge et moi, nous sommes des franquistes. On a dit qu'on était des franquistes. On voulait amener les gens chez les franquistes. Et c'est aujourd'hui que ça date. Ah. Aïe. Basta. Maman, Bisbatanga, elle nous ramène tout le temps franquistes ici. Maman, nous, on n'est pas des franquistes. Ma Bisbatanga vient parler de son franquisme. Nous, on n'est pas des franquistes. Elle vient nous draguer. Drague-nous bien. On te voit. On te voit venir. Ah. Après, on va dire que nous sommes des franquistes. Nous ne sommes pas des franquistes, maman. Nous, on est là pour parler Cameroun. Batanga nous ramène franquistes. Nous, on n'est pas des franquistes. Donc, ceux-là qui verront Batanga sur la page parler de franquistes, nous, on n'est pas des franquistes. Nous, on est des combattantes, des Amazones, derrière leur commandant. C'est ce que nous sommes. Nous sommes des combattantes, derrière notre commandant. Et c'est ça qui est ça. Donc, on suit la cadence. Là où notre commandant nous amène, c'est là où nous on part. Parce que 2025 ou avant là, ça va chauffer. Et ça là, va chauffer très mal. Ça va chauffer, regardez. Ça va barder. Je dis que d'ici début d'année là, ça va barder. Oui. Et ça va chauffer. Et vous voyez, famille, je ne te coupe même pas la parole. Vous voyez, nous sommes en fin d'année. Vous voyez ce qui est déjà en train de se passer. Voilà mon groupe Linga qu'on est déjà en train de libérer. Ton volume est parti où, ma Jésus? Ton volume. Donc, restez toujours là à démobiliser, à apporter. Jésus, ton volume est parti. Jésus. Portez la discussion. On vous dit que préparons-nous. Vous voyez, on a dit qu'on ne pleure pas. Ne pleurons pas. Interdit de pleurer. Ne pleurez pas. Parce que quand on dit aux gens ici que préparons-nous. Les gens sont toujours là. Oh, boycott, boycott. Non, allons-y boycotter. Vous allez boycotter. De force au décret, vous allez boycotter. C'est comme ça. C'est ça qui est ça. Pas plus tard que. Je vous dis, moi, combien la soirée de faire le livre dans combien de jours là. Ils vont se marier là-bas faire. Pourquoi on entend ma voix? C'est normal ça? Ah, c'est bon. Oui. Donc, quand on dit aux gens que mettons-nous ensemble, depuis nos laves, de tous nos laves que ma juge m'a fait ces jours-ci, c'est de nous, on est dans la mobilisation générale. Parce que notre page, c'est une page de mobilisation. On est là pour
mobiliser les Camerounais que tous ensemble, vous-même voyez ce qui est en train de se passer dans notre pays. L'heure n'est plus à la division, l'heure n'est plus à la distraction. Toujours dans la distraction, on est toujours là dans la distraction. Lorsqu'on dit aux gens, la distraction où vous êtes en train de nous mener là, oh les boycotts, oh les soirées. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe ce soir avec les volumes de tout ça? Mon téléphone. Moi, je suis. Oui, c'est parce que mon téléphone sonne en appel. Ah, oh, ben, les gens qui t'appellent à cette heure-ci, ben, ils doivent savoir que tu es en live. Hein. Ouais. Bonsoir, Marie-Claire. Bonsoir, bonsoir, ma grande. Bonsoir, Marie-Claire. Bonsoir, ma chérie. Il n'y a personne qui a le courage de venir parler ce soir. Mais dis donc, mais vous avez peur. Ah ben, n'ayez pas peur, pas monter. Vous avez le droit de vous exprimer. Hein. Bonsoir, ma Solange. Yumbi, bonsoir, ma grande. Bonsoir, ma sœur. Bonsoir, 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 Marie. Ouais. Donc, je suis en train de dire, ben voilà, l'antenne est libre. Si quelqu'un a envie de dire un mot, s'exprimer, ben oui, je te prends, ben lance alors, je te prends, ma grande. Attends, j'essaye par. Était rajouté. Bah. Allez. Coucou, Masso. Coucou, la plus belle. Tu es belle. Ah, comme toi, le non, goût, la plus belle aussi. Comme le toi, goût de ça. Ada. Le sourire de la gloire. Hey, Adama. Personne ne peut m'enlever bien, le sourire. Bien sûr. Le rayon de bien, soleil. Bien sûr. Envoyez les cœurs, sécurisez notre direct. Ah, c'est de oui, ça qu'il oui, oui, s'agit. Masso. Hey, le sourire de la gloire, dit, on que... le la personne, même la, tombe, la je... personne qui dit que tu es laide de la est jalouse. Ah, la personne qui dit que je suis laide de la m'a vu bien même. Je t'ai dit. La... Ouais. La personne même joue avec toi, maman. La force est tranquille. On... Toi, tu, hey. Tu piques, hein. Est-ce que moi, je suis... Tu piques. Je pique. Wow. On te tente même. Des fois, les gens t'attaquent même, je ris. Bon, je dis, mais est-ce qu'ils t'ont même déjà bien goûté? Tu piques. Tes mots sont forts. Ça fait mal. Tu sais, ma soeur, j'étais déjà l'enfant quand je parle, on se met à bouche comme je vais pouf, t'es pas ta bouche. Non, ils avaient raison. Yoï, 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 yoï. Quand tu étais fâché, tu parlais là, je disais, je tremblais. Je dis que merde, elle pique. C'est quoi? Hey. Non, tu as les mots qui piquent. Yoï! Et tu es posé. C'est pour ça que j'aime pas parler, j'aime pas me disputer, j'aime pas. Parce que je connais la force que j'ai là. Merde! Oui! Alors, monsieur, c'est sur quoi? Je viens juste arriver. Antenne dans... libre, c'est l'actualité. Actualité. Voilà. Oui, apparemment, voilà. Il y a les rumeurs qui courent que bon, AB. Est libre, mon papy est libre. Oui. Donc, sauf sur l'actualité, c'est... bah oui, apparemment. Bah... Monsieur bah... Amoukou Belinga. Oui, 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 oui. Oh là là, pendant que les Alain Foguet sont en prison, et bah, ben, dis donc. Maasso, oui, quand oui. J'ai été coupé là tout à l'heure, là. Bonsoir, je ne savais même pas que tu étais là. Bonsoir, Maasso. Bonsoir, Maasso. Maasso, avant qu'on ne se coupe là, ma juge et moi, j'étais en train de lui dire que tous ces jours-ci, Maasso, n'est-ce pas, nous sommes en train de faire des lives de mobilisation pour dire aux gens que la distraction qu'on est en train de faire là, les gens du R se préparent. Préparons-nous aussi en tant que combattants pour affronter 2025. Les gens te disent qu'il faut boycotter. Les gens t'amènent à la distraction. La distraction est montée, descendue. Maasso, tu as vu, non? Voilà AB, voilà la fin d'année. Parce que la fin d'année qui arrive là, les élections,
en chantier là, ils vont lancer leur campagne et c'est Ça parti va comme ça, ma trouver faute. des Dans Frédéric. Ça va les rites traditionnels que les chefs faisaient là, c'était pour demander la libération de leur fils alors. Parce que là, tout porte à croire qu'il y avait un enjeu derrière tout ça. Et vraiment, on est fini, hein. Voilà. Oh. C'est pour On ça est que, fini. oui, Masson, c'est pour ça qu'on dit que restons sereins, restons concentrés, restons soudés, arrêtons la division, arrêtons la destruction. Parce que tu vois, ils se sont rendus compte que la diaspora, nous sommes Bonsoir Yves divisés. Bertrand, mère, bonsoir. Ah, merci. Il te rappelait de me prendre, c'est gentil. Merci. Rendez-vous dimanche, hein. Je suis sur la Oui, c'est meilleure là ton antenne. rendez-vous, Masso. Il paraît que le commandant sera sur le jet 7. Rendez-vous dimanche. On va se régaler. À quel nom, Masso? Abonnez-vous À massivement 19 heures. sur la page À Tribu du 16 changement de heures. 237. Ça À va aller très, très 19 h. vite ce dimanche Ouais. avec le commandant qui sera Avec le là commandant, ça va qui aller sera très, l'invité très vite. spécial. Et ce sera croustillant. C'est-à-dire très, très Yes, ce Christian. sera un C'est notre délice. masse. On va se régaler de tous. On va Masso, se régaler. Oui, je dis à oui, Masso. oui. Attends, ma Juju, ma Juju. Ma Juju, regarde un peu. Ma Juju. Masso aussi commence à m'inquiéter. Masso aussi commence à m'inquiéter. Masso aussi est en train de développer un système tchakap. Très élevé. Sur la place. Moi, le reste, ma s'en Malicieuse, fout. tu Oui, sais que, Masso. tu sais que, Oui, Masso. on va sortir des petites choses pour aller vers les grandes choses. Chose, Et exactement la vérité. c'est ce que vous-même vous êtes en train de faire. Ce que vous faites là, c'est quelque chose qui réunit les gens. Et quand on fait des choses qui réunissent les gens, ça dit qu'on monte, on laisse les petites choses derrière nous, quoi. Tu vois? C'est un peu C'est ça. ça. C'est ça, Masso. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Masso, Yves Bertrand Bonsoir te dit Yves. bonsoir. Bonsoir Yves. Bonsoir Yves Bertrand. J'ai dit que ça va aller très vite dimanche prochain. Faut sécuriser seulement le live parce que hein, les jaloux vont mourir. Moi, je me serai dans le jet privé là. Ouais. Préparez seulement les Parce que mon commandant questions. ne vient pas dans Le le jet privé commandant là sans qu'on va parle nous faire plus. pleurer parce que les questions qu'on va poser au commandant Tete, les Ça gens sera dans apprêtez vos deux moutons. jours, non? C'est Ouais. dans deux jours, non, C'est Mato? C'est ça. dans deux jours, non? C'est dans deux jours, non? C'est ça. On va Préparez s'utiliser le. l'émotion à la vérité en Ouais. face. À cœur ouvert. On va s'utiliser le commandant T. À travers ses réponses. On va le s'utiliser jusqu'au ciel. C'est de ça qu'il Jusqu'au s'agit. ciel. Tu sais que Moi, Masso, Masso, tu sais que Masso, ma Juju, tu vois que je Oui. célèbre un peu Masso ce soir. Je vais un peu célébrer Hey, Masso ce soir. Je vais un tu peu m'as fait célébrer pleurer, hein. Masso. C'est que Non, je suis sortie. calme tes instincts, Masso. Tu sais, Non, je Masso, pleure pas. Si tu tu pleures sais, trop fort en larmes, ma tu me fais Juju, moi pleurer. j'adore Masso. C'est pas parce que peut-être que Hey. lorsqu'on s'est retrouvé dans ce qu'on s'est retrouvé là, Masso était un peu. Non, moi j'ai toujours. Il dit que Masso était que tant, même si je suis On où. nous a mis comme ça un bloc. On nous a mis un bloc. Je dis que hein, c'est Dieu qui a même fait ces choses. Dieu a même bien fait. Si on ne nous avait pas mis ensemble, c'est que j'appelle même dans le direct. Peut-être qu'on a aussi tourné vos têtes. Qui peut tourner nos têtes? Celui-là n'est pas Masso, c'est enfanté. quelqu'un. Ça dit que Masso, c'est quelqu'un. Ça dit, je ne sais pas si elle allait à l'école de ça. Parce qu'elle s'est tellement fait les choses. Et tu vois, nous ne savons pas célébrer nos héros. Et je te dis infiniment merci, Masso. Cette initiative que tu as prise là, de célébrer tes héros, je te dis merci. Ah, Parce que ça me dimanche touche là, gentil. le fils du planteur a été magistral. Ah Ça, ouais. c'était un live où j'ai aimé. Il a Ah, été merci. magistral. Ah non, Merci. j'ai adoré ce live. Merci. Bonjour, ma nièce Anne-Cécile Cynthia. Hey, bonjour mon bébé. Bonjour la Bonjour mon plus bébé belle. d'amour. Hey, Non, nous ne l'enfant. savons pas Hein? célébrer La nos fille de héros. quelqu'un. Oui. Ouais. Nous ne savons pas célébrer nos héros, Masso. Ouais. Et c'est ça qui fait en sorte que on nous méprise. Regarde comment les Ivoiriens, et trichons un peu, cette
les Je te Ivoiriens. dis, mais regarde Comment les comment Gabon a Ivoiriens été ont rejeté mis une en canne. Côte Tu as vu d'Ivoire. ça? Regardez-vous-même. Tu as vu? Nous ne savons pas Oh. célébrer nos héros. Nous ne Là, savons j'étais pas reçue en les Côte célébrer. d'Ivoire. Moi, je regarde des choses aussi quand Mais même. non, Hey, pas tu souvent. Mais on peut sur les pages des m'as dit Ivoiriens. un jour d'Amazon On n'a qui n'est jamais réservé un accueil aussi chaleureux en Gano. Toutes Oh, les tu es personnes qui précieuse, disent qu'en Côte Amanella. d'Ivoire, on dit Précieuse, bonjour. là, Oh précieuse, là 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 là, là, là. Du Plaisir, jamais vu. Bonjour, on t'attend, c'est la bonjour, famille. bonjour, 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 Ne bonjour. te Bonjour précieuse, à là. la famille, Bonsoir, bonjour plaisir. à Emmanuel, bonjour, bonjour le président Clou. Rendez-vous dimanche, hein, ça va aller vite et fort. Ça Crescendo, sera ça va croustillant, monter. hein, je Oh vous promets. là Ça sera là, là 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 abonnez-vous délicieux, massivement purée. sur la page de la tribu du changement du 237. Le commandant sera de ce côté-là dimanche avec notre très brillante, brillantissime Ah! Solange Obi. Ah là 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 Yes! là 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 Oh là 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 là. là, ça me donne la chair de poule. Merci Oh, beaucoup, hein. ne pleure Merci, pas, hein. merci, je Attends, je t'assure. passe mon soir, ok? Oh, ça me fait rougir. Pas Merci. Allez, tu vois, je sens quelque chose sur le ventilateur. Comment la Je sieste t'assure. subit? Allez, Ah là là comment là la là 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 sieste là 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 subit? là 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 Regarde, là là regarde, là regarde quelque chose sur le malicieuse. Oh ventilateur. là Comment là la sieste là. subit? Mais Ah toi, ouais, tu t'es. le trio, ça fait du bien, je t'assure, Le Bertrand. trio des On ici, en ça a constitue le besoin, trio. hein? On en a besoin. On a besoin de recharger les batteries. Parce que là, franchement, si on ne laisse pas la distraction derrière nous, ces gens-là vont nous amener vers la dérive. Et la On doit discrétion, faire c'est des ça. choses autrement. C'est quoi? On est Exactement. obligé d'innover. Il y a quoi? Il y a quoi? Après, je vais vous faire une belle proposition. Je suis sûre que vous n'allez pas décliner l'offre. Il faut avancer, les filles. Vous comprenez? Oui, il faut Avancer. avancer. Il Il faut faut avancer. avancer. Et L'homme il n'est faut plus à il faut sa se faire distraction. distinguer. La communication dans le bavardage n'a plus sa place. Est-ce qu'on en bavarde encore dans le... On n'est plus dans le bavardage. On nous sommes déjà dans les élections 2024-2025. Ah, Entre c'est notre 2024 commandant en chef. Maman, je lui donne toutes les éloges là. Je l'appelle commandante. Je l'appelle maréchal. Il a tout ça. Il a tout ça. Vous savez quoi? Je vais vous dire quelque 2025. chose. Je suis allée chercher Calibri sur Google. Moi, je vais vous dire, hein, avant d'arriver à dimanche, c'est juste un avant-goût. Quand quelque chose est bon, il faut applaudir. Loin de nous, le complexe, la frustration et la jalousie. Allez sur Google, vous allez voir qui est Calibri, dans quelle chaîne de télé le gars apparaît. Maman, quand quelqu'un te dépasse, porte son Ma question sac. voilà ce que je te disais, sac. Normasso. Aucune Voilà ce que je te disais. frustration. Nous ne savons pas célébrer nos Arrête. héros. Tu comprends? Arrête. Voilà ce que je te disais. Bon, à un moment donné, je vais interdire mon commandant de venir faire les lives. S'il veut faire les lives, il me dose, il me dose moi aussi. J'en Ah, tape. moi. Bonsoir, ma Retourne la caméra, ma Retourne, grande. parce que je ne veux pas voir la tête de mon beau-frère ici. Et Parce que puis c'est bien, il est tu assis mets là. quelque chose Bah derrière. oui, Mets quelque chose hein. derrière. Voilà. Qui nous a Bon, rejoints? bonsoir ma Bonsoir grande la école grande d'Anne, bonsoir ma famille. grande. Bonsoir ma grande. Bonsoir Manira, tu es belle ce soir, ma. Qui nous a Bella, rejoints? Bella, C'est hein? Marie-Claire. Je veux ta Marie-Claire. purée, Ah, là, je veux ta purée. Marie-Claire. Merci ma grande Ouais. Solange, comment tu vas ma Ça puce? va et toi? Ma Oh, la pertinence. puce. Elle est très Oui, pertinente. Marie-Claire. Tu nous amènes Bonsoir ma grande. où ce soir, dans quel luxe ce soir, ma grande? Le Aïe! jet privé, je On est te dans dis. un jet privé. Le jet privé, là, c'est maintenant c'est notre jet privé. Donc, le jet privé Non, le moi, dimanche, par contre, ça va aller très fort. non, Ça moi, va par aller contre, fort. Je vous en prie, je fonds en larmes. partageons Je massivement fais la mon publication. entrée. J'ai fait mon entrée en larmes, en larmes, en larmes, en Ah larmes, en larmes. ouais, si c'est les larmes de joie, ben Pourquoi ça pleures-tu? nous fait Pourquoi plaisir. pleures-tu? Non, non, non. Pas les larmes, parce que vraiment, avec tout ce qu'on a mené comme combat ce soir, avec tout ce Le choc qui me vient comme ça. Hey, Baba. Attends, laisse d'abord, c'est mon neveu qui m'embête là-bas. Tu as trop les tontons. Tu as trop les tontons, mon neveu. Il va pas de ça. C'était une petite parenthèse. Oui, Marie, vas-y, ma grande. Bon, Bonsoir, Inia, ma petite je sœur. suis choquée, je suis sous le choc.
sur le short de voir comment on a passé pratiquement 3 mois à combattre pour le pauvre Martinez Zogo. Et ce soir, on nous fait comprendre que le pauvre, lui, il n'est rien. Que ce sont ces bourreaux qui valent quelque chose. C'est pourquoi je fonds vraiment en larmes. Non. Faut pas. Il fallait s'y attendre. Hein. Faut pas. C'est ça, hein. On a fait les choses à moitié. Hein. Voilà, il faut que la justice fasse son travail. Selon vous, la justice a fait son travail. Mais bien sûr, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu as fait ta part. Chacun fait sa part. Alors, maintenant, tu ne dois pas te reprocher de quelque chose. Tu as fait ta part. Tu as donné le meilleur de toi. Non, je me reproche pas de quelque chose. Je fais à l'âme parce que ça aurait été moi à la place de Martinez Zogo. Ah ouais, on comprend ça, mais après, il faut que Martinez Zogo aille aussi se reposer. Et puis, la justice a fait son travail. Que la justice ait mal fait ou bien fait, nous ne sommes pas bien placés pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Nous exactement. On ne va pas toujours plonger la tête là-dedans. On sait réellement ce qui s'est passé. Ah ouais. Et maintenant, on attend la suite. À un moment, Marie-Claire, il faut prendre du recul. La justice a déjà donné et... a déjà rendu justice en libérant les... Il faut accepter. Vous n'allez pas non plus commencer encore à dire oui, non, on va pas là, on avance. Ah ouais, moi aussi, je suis pour qu'on avance, hein, parce que que ça soit vrai ou que ça soit faux, nous n'avons pas les capacités à aller plus, à faire plus que ce qu'on a déjà fait. Donc, on a fait ce qu'on avait à faire. Et soyons fiers de nous. Parce que personne n'aurait même imaginé que ce monsieur pouvait passer autant de mois en prison. Donc, on a fait un travail énorme. Le travail de fond a été fait. Vraiment, soyons fiers de nous. Ne demandons pas plus que ce que nous avons déjà donné. Sinon, on va stresser, on va croire qu'on est coupable de quelque chose. On n'a pas pu, non. Chacun de nous, autant que nous sommes, a rendu hommage à Martinez Zogo. C'est ça, je me dis, c'est ça mon avis. Hein. Mon avis, on a le cas Samy, on n'a jamais obtenu de justice. Hein. On a le cas Samy. Hein. Voilà. On a le cas Samy. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai le cœur brisé, hein. Même si je n'en parle pas. Rien que le fait que c'est qu'on va l'enterrer, là, je ne suis pas bien. Ah ouais, hein? Oui, au moins, Martinez Zogo a quand même eu un petit truc, mais lui, Samy, il a quoi? Qu'est-ce qu'il a? Bien, la justice, c'est comme ça, c'est pour ça que ma Solange Yumbi, tu te souviens ici, lorsque on faisait le live de tout ce qui nous a arrivé, toutes ces séparations-là. Tu te souviens, vous vous souvenez que partagez un jour ici, j'avais dit que... Partagez le direct, non, les gens. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. On a commencé à parler d'un sujet très, très, très pertinent. Oui. Donc, partagez le live, voilà. S'il vous plaît. J'avais dit ici que tout ce que nous faisons, ça va nous rattraper. Je l'avais dit dans un de mes lives, que tout ce que nous faisons, ça va nous rattraper, en bien ou en mal. Parce que quand il faut dénoncer quelque chose, mettons, tu sais, quand on dénonçait ça en janvier, Marie-Claire, on avait fait bloc et c'est pour cela que la justice camerounaise s'est bougée. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que nous sommes séparés. Et c'est pour ça qu'on dit toujours aux gens, nous qui nous sommes levés pour prendre la parole, pour parler au nom du Cameroun, tout ce que nous faisons sur cette toile-ci-là, ça va nous rattraper en bien ou en mal. Faisons attention aux actes qu'on pose. On va répondre un peu, excuse-moi ma diction, on va répondre à Bébé Dims. Bébé Dims a mis un long commentaire, elle me demande si on passe à autre chose. Bébé Dims, je vais répondre et je vais laisser les autres répondre. Je suis d'accord qu'on ne passe pas à autre chose. Qu'est-ce que ça change, qu'on passe ou qu'on ne passe pas, Bébé Dims? Qu'est-ce que ça va changer? À un moment donné, vous voulez qu'on fasse des sacrifices au-delà de ce qu'on est déjà en train de faire?
Exactement. On va aller où? Demander quoi encore à qui? Déjà, avec le cas de Samy, ils ont fait une position de mutuellement. Alors, vous pensez que les gens ne vivent que pour ça? À un moment donné, moi, je dis, moi aussi, j'ai envie de demander justice, mais je dois protéger ma vie. Je ne vis pas que pour ça, pour me battre. Voilà. Voilà. Je veux bien que les choses t'arrangent, mais tant que ma voix ne se fait pas entendre, je ne vais pas me priver aussi de ma liberté parce que je dois faire des choses pour plaire. Non. On peut tous comprendre que le problème, ça ne nous arrange pas. Mais à partir du moment où, personnellement, je sais que je ne peux rien, ça ne servira à rien de spéculer là-dessus. C'est mon avis. Maintenant, les autres sont libres de continuer à réclamer. C'est mon avis. Et dans beaucoup d'injustices au Cameroun, on a toujours vu que les concernés directs s'écartent toujours. Donc, tu peux porter les problèmes de quelqu'un et ça te cale au cou. Vous comprenez ce qu'elle veut dire? Exactement. Oui, oui. Ça veut dire que tu prends une situation comme la tienne, tu portes ça sur, tu charges ça. Demain, ça se retourne contre toi. Ça veut dire qu'on marche, on crie pour Martinez Zogo, on crie pour Martinez Zogo. Est-ce que vous avez déjà vu la famille de Martinez Zogo sortir dans les rues pour réclamer une justice par rapport à leur fils? C'est une question simple. Vous avez déjà vu? Il y a quelqu'un qui veut monter, je ne sais pas c'est qui. Si quelqu'un veut monter, moi je peux descendre. Hein. Attends, Marie-Claire. Oui, je vais descendre, je vais descendre. Voilà, après tu reviens, d'accord? Je vais descendre. Ok, merci. Marceau, continue parce que tu es en train de parler. Voilà, je disais que, est-ce que vous avez vu les familles là? Dans plusieurs cas, les gens qui sont concernés sortis eux-mêmes dans les rues pour dire « Nous voici victimes de l'injustice. Demandez au peuple de les accompagner. » C'est une petite question. Coucou hein. Les filles. Hein. Coucou. Coucou. Comment vas-tu? Ça va et vous? Oh, on va super bien. Sois la bienvenue, ma chérie. Hein? C'est qui? C'est India. C'est India. Ah ouais, elle a une belle voix. Oh là là, j'ai pas reconnu. C'est hein. Julienne, c'est Juliette. Ah d'accord. Je suis désolée. Si je suis dans le noir. Ah, je oh, reste dans le noir, ma puce. C'est pas grave. Ben, j'ai appris que on a. Moi, bon, comment dire, bon. Tu sais, des fois, j'ai besoin de m'éloigner des choses du 237 parce que. Comment tu vous avez la même voix que si vous ne donnez pas vos noms. Moi, j'ai cru que c'était hier. Non, c'est pas hier. Oui, on est jumelles, les filles. C'est pour ça qu'il dit que quand vous venez, donnez vos noms, parce que moi, je vous confonds avec la voix. C'est Julienne, là. Attends, c'est Larissa. C'est Larissa. Oui. Oh, oui, c'est Larissa. Bah, puis dis donc. Non, ma astro, elles ont la même voix. On dirait pas toi. C'est quelle voix ça encore? Tu as une voix raffinée. Bonjour les filles. Tu vois? Ah, non, tu vois... non, là je suis. J'ai pris mon petit thé, donc je suis. Non mais en fait, comment dire les filles? Le 237, c'est chaud. Noah, va chercher mon chargeur s'il te plaît. Apparemment, ne viens pas, nous on n'est pas dans l'autre là. Marcel dit pas de discussion, rendez-vous historique de 9 au 10 au palais de congrès du Cameroun. Mais il faut qu'il s'avance, non? Tonton Marcel, vas-y, on va te suivre. Qui tu annonces à qui? Allons-y, nous tous. Toi-même, tu prends d'abord la route, on va te suivre. Il y a quoi au palais des congrès? C'est la convention. Il a dit du Cameroun, non? On va tous aller. Si tonton Marcel nous montre le chemin. Il prend la route, on le suit. Qui est bête? Qui est fou? C'est ma maman qui... Maman a dit que qui est fou? Moi, démissionner? C'est trop facile de venir dire les choses derrière les téléphones. Bébé Jim dit qu'il y a quoi là-bas? Il y a quoi là-bas? Bébé Jim, c'est la convention. Il y a la convention. Il n'y avait pas encore fini de demander l'argent. Mon chat.
Ouais. Ah, tu l'as acheté toi, Manjo. En partant, tu nous as dit. Envoie-moi le billet d'invitation. En partant, tu nous mon grand ciel. Mais Mirabelle. Oui, ma grande. Oui, non, s'il te plaît, parce que tu sais, j'ai trop de boulot, j'ai pas trop suivi. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'argent des prisonniers? Tu n'étais pas à la fête? L'argent qui part. L'argent qui vient. L'argent qui vient. L'argent est pas. L'argent qui est parti. C'est pour ça que j'ai arrêté pour comme ça, la gauche que maman. Tu ne peux pas partir comme ça sans que tu nous expliques. Donc, jusqu'à présent, on ne sait pas où elle est. Il y a eu, je ne sais pas, il y a eu combien là-bas. Qui peut savoir? Pourquoi? On est au courant de quoi? Hein? Personne ne nous dit rien. Personne. Tous sont portés disparus. Je demande, les Camerounais, même dans... L'argent qui vient, l'argent qui vient. Il faut toujours chanter, l'argent qui vient, l'argent qui vient. Les Camerounais, même dans les choses associatives, il y a l'escroquerie. Écoutez, je ne me suis jamais prononcée là-dessus, mais je vais dire un mot. Moi, je pense plutôt qu'il faut un peu s'abstenir parce qu'ils sont conscients. Pour moi, c'est ma vision des choses. Je pense qu'ils sont conscients de la gravité de cette situation. Là, il ne s'agit pas des problèmes entre combattants, mais il s'agit des problèmes qui concernent déjà les prisonniers politiques et c'est très délicat. C'est pour ça que... Très délicat. Tu as compris, non? Donc, pour moi, j'ai souhaité inviter quelqu'un, mais comme je cherche encore les pistes de qui étaient les organisateurs et tout, pour avoir plus d'amples informations, parce que c'est facile de venir nous-mêmes dire des choses. Et je pense que ces gens-là sont bloqués quelque part. Sûrement, il y a eu mauvaise gestion, l'argent est bloqué. Laisse le commentaire. Non, c'est pas toi, maman. Je pense qu'ils ont un souci, vous voyez, non. Ça, c'est ma façon à moi de voir. Parce que même si tu dois voler, c'est pas le genre d'argent-là que tu vas voler. Sérieux, à mon avis. Apparemment, la vraie personne même qui organisait cette soirée-là était cachée derrière. C'est après dans la soirée qu'on se rend compte que Harry Djoko, Monsieur Berg était parmi ceux qui étaient là en organisant la soirée. Pardon. J'ai partagé une vidéo de Mevaco. J'ai partagé une vidéo. C'était un live, je crois qu'il avait fait le live. Il a dit que il avait été approché par Djoko. Et il a dit à Djoko que tu t'en vas organiser une soirée alors que le parti a une convention le 9 et le 10. Ta soirée que tu t'en vas organiser là, c'est pourquoi? Qui est membre du directoire? C'est qui? Et pourquoi aller Choco organiser quelque chose? C'est qui Djoko? Henri Djoko. D'accord. Oui. Okay. Parce que j'entendais comme si c'était Annie Djoko. Non, c'est parce qu'elle a pas. C'est Djoko, c'est pas Djoko. C'est Djoko. Voilà, aide-moi à prononcer Djoko. Voilà, c'est Djoko. Djoko. Donc, c'est Djoko qui apparemment organisait dans les inbox. Dans les inbox, il organisait. Donc, les gens qui étaient, les boucans étaient seulement là, comme ceux-là qu'on avait mis devant. C'est pour ça que tu vois que boucan elle-même, elle est coincée. Parce que quand je suis allée revoir le live de Mevaco, Mevaco dit que, je ne sais pas si c'est leur manière aussi, si le parti était là ou pas, je ne peux pas dire. Je suis allée écouter Djoko aujourd'hui parce que j'ai vu ça sur le mur de Aïssa Toubouba. Djoko Mevaco disait là-bas qu'il a été approché et il a dit que ça ne concerne pas le parti. Pourquoi est-ce que nous, on sera invités si ça ne concerne pas le parti? Et toi, Djoko, en tant que membre du directoire, comment peux-tu aller organiser une soirée caritative en privé sans contacter le parti? Du coup, c'est pour ça que tu vois que Bouba était en guerre avec Boukam
pour lui dire que nous, on n'est pas, le parti n'est pas d'accord avec votre arnaque que vous voulez mettre sur pied là. Bouba a été coude à coude avec eux avant la soirée. Et après la soirée, voilà donc où on est à maintenant. Plus d'un mois, tout le monde donne raison maintenant à Bouba, à Issa Touke. Voilà, voilà, voilà. Donc tu vois que maintenant, Boukam est coincé parce que c'est elle qu'on a mise devant. Mais le vrai commanditaire, il était derrière. Les vrais commanditaires même, étaient derrière. Ils sont tapis dans l'ombre. C'est pire que la mafia. Hein. Voilà. Les choses des Camerounais sont tout un genre, un genre. Mais le truc, c'est que il y avait des membres du directoire là-bas. Exactement. Donc comment ça se fait qu'ils ne sont pas au courant? Si, ils étaient au courant. Les membres du directoire, les membres du directoire, c'est-à-dire Tchoko. Il est allé organiser une soirée, mais il y avait d'autres membres du directoire qui n'étaient pas comme Mevako et comme Bouba. Qui, n'est-ce pas, se sont désolidarisés. Qui n'étaient pas d'accord, oui. Et même Lornoutang. Tu connais Lornoutang, notre petite soeur Lornoutang. C'est Lornoutang. Même elle aussi, elle n'était pas d'accord. Elle n'était pas avec eux. Donc, du coup, il y a beaucoup de membres du parti qui n'étaient pas d'accord avec la soirée. Et celui qui était donc le manipulateur ici derrière, l'investigateur, c'est M. Berg, apparemment. Je n'étais pas là. C'est qui, M. Berg, alors? On donne les noms, non? On donne les noms, pas. M. Berg, c'est qui? En fait, le direct est détaillé chez le grand frère J.Rémy Gono. Si vous allez chez J.Rémy, vous allez suivre le détail de ça. Vous savez que quand J. pose la question, tu le jongles un peu, il vient verser les choses ici. C'est pour ça que j'aime le suivre. Ça dit qu'on dit que, J. dit que, je ne sais pas si c'est M. Berg, que l'organisateur principal. Oui. En fait, dedans, il y avait plusieurs gestionnaires. Il y avait plusieurs gestionnaires. Les gens qui vendaient les boissons, la boisson qui est venue. Monsieur Berg. Monsieur Berg. Donc, on a vendu la boisson et là, ça a bugué. On n'a pas su comment la gestion de la boisson s'est passée. Il y a eu un mélange de mauvaise gestion, quoi. Après, d'après ce que j'ai écouté chez le grand J.Rémy Gono. Après, maintenant, les gars voulaient faire un peu comme les Watts. Il est parti de chez lui, où il vit, c'est en Belgique, si c'est où là. Il est venu avec l'appareil là pour payer par carte. En sachant bien que normalement et logiquement, ça ne répond pas aux normes. Le gars prend ça pour venir épater les gens. Les gens ont passé la soirée à payer par carte. N'est-ce pas, c'est aller rentrer dans le compte du parti. L'argent est rentré dans le compte du parti. On dit bien que c'était comment on appelle ça? Oh, l'appareil là pour tchouquer et payer là. Donc, normalement, l'argent était censé rentrer dans le compte du parti, mais sauf que... Rentrer dans le compte. Non, sauf que le parti a déclaré après qu'ils n'ont perçu aucun kaba. Aucun centime. Voilà. C'est ce que j'ai écouté. Donc, celui qui a mis la carte a été remboursé? Parce que l'argent... celui qui a mis la carte a fait... Je ne sais pas, donc c'est là où il y a bug. On ne sait pas si c'est la carte qui a avalé l'argent... Ou si la... Oh mon Dieu, pardon. C'est pour Monsieur ça que j'ai dit Berg, que je ne veux pas me prononcer toujours, là-dessus. Il a fait semblant parce que tout ça est parti dans son savez, compte. Vous détaillez là, moi ça ne m'intéresse pas. Quand c'est moi l'argent, moi vous détaillez là, je m'en fous. Peut-être l'argent là, est parti dans le vide. Hein. Vous parlez comme ça. Je suis que l'argent n'est pas entré dans... L'argent est quelque part dans les poches de quelqu'un. Vide, moi, c'est quelque part, pardon. En Europe, l'argent ne se perd pas, tout est tracé. Oui. Surtout si tu utilises par carte bancaire. Donc, oui, oui. Tout ça est parti dans son compte. Il a joué les gens. Il a joué les gens. Comme c'est quelqu'un qui est intelligent, il a joué les gens. Il a fait que tout ça, tous les virements là, aillent chez lui. Oh, les filles, s'il vous plaît, c'est qui, monsieur? Exactement.
C'est qui, monsieur Toko? Bug, alors. Le réalisateur, l'auteur, compositeur, exactement, bébé Jim. Ça veut dire que c'est simplement que c'était un bancomat personnel, exactement, bébé Jim. Voilà, c'est ça. Mais vous pensez, monsieur Bug, c'est l'organisateur. Merci. Si monsieur Bug, c'est l'organisateur là, mais lui, ça fait plusieurs fois qu'il il a des problèmes d'argent avec lui. Hein. C'était la soirée de la société civile. Hein. C'était pas pour le parti. MRC. Mmh. Ouais. Ah. Les choses, genre, c'est honteux. Hein. Mais en fait, moi, je dis, il ne faut pas mettre les organes parce que demain, quand ils vont sortir l'argent, là, ils vont gueuler. Hein. Attention. Parce que je suis sûre qu'ils vont... Au moins, s'ils sortent l'argent. Au moins, s'ils sortent l'argent. Parce qu'il fallait sortir l'argent tout de suite. Ce n'est pas après 2 mois, mais 3 mois, 4 mois. Ton ami Abdelaziz a été piégé. Tonton Marcel, il faut lui poser la question. Tu dis bien ton ami. Normalement, c'est toi qui dois nous donner les informations. C'est toi qui dois nous donner les informations. Abdelaziz Moundé n'est pas dans le vol. Hein. Franchement. Il n'est pas dedans. Hey, ma personne, il n'est pas dedans. Mais ils l'ont piégé. Moi, parce que apparemment, son nom est passé aussi dans le direct de J.E.J. On le met en avant. On le met comme ça. Que lui, Abdelaziz Moundé, c'est toi qui as organisé la société, machin. Eh, hey, pardon, laissez-le en paix. C'est monsieur Berg. C'est monsieur Berg qui est auteur, compositeur, arrangeur. Mimi, toi qui étais à cette soirée-là, est-ce qu'il y avait du monde? Il y avait du monde. Voilà, ça veut dire que la soirée a rapporté. Le problème, c'est qu'il y avait du monde, mais sauf qu'il y avait les gens qui ont acheté les billets, qui ont payé leurs billets tout en avant. Donc la soirée est complète. D'accord. Même Justine Boucan venait danser ici, là, que wow, la soirée est complète. Il y a au moins 8 à 900 personnes. Donc, pour moi, là, donc, il y a l'argent. Les biens, non, mais quand tu as fait le direct, il y avait du monde, hein? Ouais, ouais. Il y avait du monde. La salle était bondée. Et je me suis dit, les petits tables qui sont restés vides, c'est ceux qui n'ont pas pu se déplacer des pays lointains pour venir à la soirée. Ah bah oui, hein. Ça veut dire que c'est une soirée qui a rapporté de l'argent. Oui, vraiment, oui, il faut qu'ils remettent. Mais oui, puisque le... Il y a les centaines de milliers d'euros qui sont là pour qu'on cherche. Ce n'est même pas une affaire, c'est une affaire de centaines de milliers d'euros. Puisque... Quoi? Mais oui, puisque le t-shirt déjà de... Une affaire de centaines de milliers d'euros. Ce n'est pas une affaire de 500, c'est une affaire de centaines de milliers d'euros. Ouais. Ouais, chier. Ils vont faire... Il y a eu beaucoup d'argent. Pardon, j'espère qu'ils vont... Il va me faire le japap. Parce que moi, depuis, je ne me suis pas penchée sur ce cas. C'est triste. Et vous voyez, et le problème, c'est quoi? C'est que les filles, quand on parle, les gens disent que oh, vous parlez pourquoi? Ça nous éclabousse tous. Ça nous éclabousse tous. Quand j'ai écouté le live de Duran Joya, celui qui est en Angleterre, là, il disait que quand vous faites ça, aux États-Unis, et aux États-Unis, voilà, il disait que ça éclabousse tout le monde, ça nous éclabousse tous quand on va parler, puisque il disait que c'est sur ces choses comme ça là que les gens de Yaoundé servent souvent pour nous mettre au sol. Voilà. C'est sur ça qu'ils servent pour nous mettre souvent au sol. Et bien, ça fait sur ça la campagne. Vous allez entendre. Ah oui, et c'est comme ça. Ah, j'écris. Qu'est-ce que vous avez vu? Ce que vous avez fait au père là? Parce que la campagne, ils vont utiliser ça contre eux. Vous parlez de ça? Où est votre crédibilité? C'est la même chose qu'on avait eu. C'est pour ça que je l'appelle M. Beurre, avec l'histoire de survival. Il y a aussi eu ce genre de choses. Oui. Monsieur Beurre exagère déjà. T'as vu ça? Il y a eu aussi ce genre de choses. Et on attribue ça à Kamto jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai. Ce que tu dis, vous savez, les filles, quand il s'agit d'argent avec les Camerounais, parce que moi, je me souviens très bien ce truc de survivol là. Oh non, il faut que tu viennes, il faut que tu sois devant. J'ai dit, moi, quand il s'agit d'argent avec les Camerounais, non, 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 non. Et sincèrement, j'avais eu raison parce que tout ce qu'il y a eu après, il y a eu un vol énorme. Il faut comprendre que beaucoup de gens se sont fait beaucoup d'argent dans cette résistance.
Exactement. Avec les vols, avec les litchis, avec les. Parce qu'avant, les gens sortaient l'argent. Hein. Au début, les gens sortaient Oui, au l'argent. début, il y avait l'argent. Il y avait l'argent. Les gens Il y sortaient avait, on l'argent. était là, quand on était là derrière le téléphone, quand on ne peut pas parler, le jour quand tu peux parler en masse, tu es là derrière, tu mets les Les poches, les gens, patates, il y avait l'argent. Donc, avant, les gens se sont fait énormément de sous avec les Ils ont litchis, Et je les t'assure, gourdes. avec le programme de suivi, voilà, il faut voir comment les gens travaillent 2 heures du matin. Il y a la Twins là, qui était toujours en ligne. Ah, Les ça? gens étaient merde, les Moi, pauvres. j'étais. Oh, purée. Je veillais souvent. Moi, je faisais souvent avec la thune. Non, mais même quand je Juju, pense. Même Juju appelait souvent chez la Twins. Oui, Juju, quand tu vois ouais, là-bas, Juju oui, parle. oui, je Je t'assure. connais sa voix chez la Twins, que j'ai retenu son Ouais. thème de voix. Oui, j'étais chez la Quand je thune, pense j'ai qu'il y appelé a des souvent gens qui pour la ont thune. manqué de. Oui, Quand je avec pense maman, lui, tout son monde. qu'il y a des gens qui manquaient de respect à ces twins-là, elles ont bossé. Franchement, Oh, moi, on dit que je je dis payais avec la souvent, la thune. fille de La thune, c'était ma Pacanto, personne. elles Oh. ont Oui. bossé. Si aujourd'hui elles prennent du recul, c'est moi. Je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui prend du recul avec les Camerounais. Franchement, on est trop décevants. C'est vrai. On avait nos jumelles. On avait les jumelles Larissa et sa sœur et on avait la C'était thune. les Oui, on avait oui. les quatre, les On quatre, avait, voilà, les voilà. deux pères, c'était les quatre, on a quatre, Oui. oui. Je ne connaissais pas Larissa, mais j'entendais parler. Mais Si, moi, je connaissais bonjour. la thune. Parce que la thune, C'est deux c'était et ma personne. l'amphique. Oui, Non, la non, les thune, twins, c'était ma c'est personne. les twins, elles ont vraiment. Elles Si, ont bossé. elles ont bossé. Hein. Moi, parce que des fois, même quand on allait même dans les chassements et tout, le dimanche, allez, ces filles-là, je sais pas où est-ce qu'elles habitent, je sais pas où, aux Pays-Bas ou en Belgique, je sais pas où est-ce qu'elles habitent. Je sais plus, en Belgique ou en Luxembourg, je ne sais Ouais. pas. Au début, je croyais qu'elle était en Suisse. Je croyais qu'elle doit être entre Luxembourg et la Belgique. Ouais. Et elles venaient. Oh non, ces filles-là, franchement, elles ont bossé. Elles ont bossé. Moi, Je je t'assure. ne peux pas les en vouloir. Quelqu'un qui dit que moi-même, j'ai énormément pris de recul parce qu'au fait, moi, ce qui me dérange avec les Camerounais, un, déjà, c'est le tribalisme. Tu vois? C'est ça. Forcément, on va t'enfermer dans un. Dès que tu commences à dire quelque chose tu émets une critique qui n'est pas forcément Ah, mauvaise. On va Virginie, commencer elle à. en Belgique. Elle en Belgique, elles sont en Belgique. Voilà, on va commencer à te dire que non, bientôt tu vas rejoindre ton frère Cabral. Enfin, des conneries, tu vois. Alors que toi, tu n'as pas cet esprit-là. Toi, tu es là pour la libération du Cameroun. Donc, Merci, Marcel franchement. Tchang, merci. C'est dommage. Pourquoi tu fais ce bruit? En tout C'est cas, vraiment dommage. ouais, en tout cas, comme moi je l'ai toujours dit, tout ce qu'on fait hein, dans cette résistance ici, ça va tous nous rattraper. Mais Ah et tant oui. que nous ne sommes pas Ah unis oui. pour qu'ensemble Oui. nous regardons dans la même direction, hein, Ah nous allons tous aller manger la merde au oui. Cameroun. Ah Soit nous oui. allons Non, mais caler l'exil, soit. étonne de luxe. Il faut quelqu'un qui unisse les Camerounais. Mourounais, C'est-à-dire que le exactement. problème du MRC, c'est que, en fait, ils sont tombés dans le piège du gouvernement camerounais, c'est-à-dire s'enfermer s'enfermer dans la case MRC est un parti des Bamlékés. Ils se sont laissés enfermer dedans. Et par certains cadres aussi, il faut voir souvent certains cadres, les paroles qu'ils ont. Je suis désolée, mais le MRC ne pourra jamais être au pouvoir au Cameroun. Ça, oubliez ça. C'est terminé pour le MRC. Il faudra quelqu'un qui va unir les Camerounais et ils n'ont pas réussi à faire ça. Quelqu'un qui ne va pas, dès que tu en prononces même un truc du tribalisme, tu es viré du directoire. Et il y en a beaucoup qui font des conneries dans ce directoire, qui sont toujours là. Qui sont toujours là. Moi, j'ai été choquée de cette Aïssa Tou là, cette femme-là, je l'ai bloquée partout parce que quand Pendaïkoka est décédée, mais il fallait entendre les paroles de cette dame, quand même. Au jour d'aujourd'hui, elle met là les pleurs du Mbolé. Elle met là les pleurs. Elle est dans les Elle a pleurs. pleuré. Oui, elle met Bah, là ça, les c'est son pleurs. problème. Oui, Ça, c'est son elle met là dans les pleurs. problème. Parce que quand les autres subissent, quand on fait subir aux autres, elle était contente. Maintenant, elle-même, elle est en train de subir les foudres de ce chocolat. Parce que quand Oui. chocolat faisait peut-être, il s'est passé avec Penda et Coca,
Elle était contre Pendai Coca. Elle a insulté Pendai Coca. Au jour d'aujourd'hui, c'est le même Choco qui fait subir à Issatou des sueurs froides. C'est le même En tout cas, Choco. Le MRC, moi, c'est ce que je vous dis. Battons-nous pour la libération du Cameroun. Mais moi, je suis pour la libération du Cameroun. Mais le MRC oublié. Si ce parti veut vraiment réunir encore les Camerounais, c'est avec une autre méthode, mais je ne pense pas qu'ils réussiront. Parce que moi, franchement, je ne sais pas si vous étiez aussi à Paris quand Kamto était là, quand il y avait tout le monde, mais c'était tellement magnifique parce qu'il y avait des Camerounais de partout, de tout horizon, de toute ethnie, de tout. Si c'était tellement beau. Attends, je vais répondre un peu à Bébé James, ma petite sœur. Bébé James, tu sais, le MRC, pourquoi est-ce qu'on le prononce? Pourquoi? Parce que le MRC s'est mélangé aux activistes. Le MRC s'est mélangé aux activistes, Bébé James. Et c'est pour cela qu'on parlera du MRC, on parlera des activistes. Parce que tu vois, une comme Boukam est activiste. Elle est dans le parti. Villageois du Quat, elle est activiste. Elle est infiltrée. Elle est mise dans le parti. Annie Choco, elle est activiste. Elle est dans le parti. Bon, Annie Choco, elle est un peu plus dans les actions. Donc, il y a plein de gens comme ça, plein de gens comme ça, Bébé James, qui sont des activistes. Et ils sont allés se fourrer dans le parti. C'est tout ça qui nous fout dans la merde comme ça. Et c'est tout ça qui fout même le MSC lui-même dans la merde. On a beau dire que séparons-nous les chambres. Non, les gens vont te dire que, oh, Kamto ou rien, oh, ils sont en train d'aller voter. Bébé, tu me dis que je n'entends jamais parler d'un autre parti. Parce que les activistes ne se sont pas mélangés avec d'autres partis politiques. Non, mais surtout parce qu'elle ne suit que les pages des gens du MRC. Voilà. Si tu vas suivre les pages des gens de Cabral, tu ne vas que voir les choses de Cabral. Si tu vas suivre les pages des gens dans notre parti, tu vas entendre parler d'eux. Moi, je dis que et je suis persuadée que ce sera ça. Le MRC ne sera jamais au pouvoir au Cameroun parce que ils ont failli au moment où ils pouvaient vraiment arriver au pouvoir parce que le peuple était derrière. Moi, je pense que Kamto a fait beaucoup d'erreurs, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris les décisions qu'il fallait prendre et avec fermeté. Et ce n'est pas parce qu'on critique le MRC et les décisions de Kamto qu'on déteste Kamto. Non. Je vais donner mon avis. Je vais donner mon avis là-dessus. Vas-y, Larissa, quand tu auras fini. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on déteste le MRC, qu'on déteste je ne sais pas quel parti d'une tribu. Non, on fait juste un constat. Moi, pour moi, ils ont raté leur coche. Ils ont raté leur coche. Maintenant, si certains trouvent que Kamto, c'est la solution, mais ça, c'est leur problème. Sauf qu'il ne sera jamais, il n'arrivera plus jamais à étudier parce qu'il a loupé. Et non. Et ça, c'est mon discours à moi. Ça ne veut pas dire que je déteste Kamto ou je déteste quoi, parce que je pense qu'on sait très bien que je l'ai soutenu. Voilà, et c'est quelqu'un que je respecte énormément, mais il a raté le coche. Moi il aussi, a raté le coche. C'est Kamto, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Kamto, c'est quelqu'un qu'on a beaucoup respecté. Moi, j'ai même raté le coche. Moi, j'ai même pitié de lui à la fin parce que. Voilà, il a raté le coche où il fallait vraiment. Où il avait les Camerounais derrière lui. C'est là qu'il fallait taper dur et fort. Et maintenant, tout le monde est fatigué. Il y a eu trop de problèmes dans cette résistance. Et les gens, déjà que les Camerounais ne croient pas à la politique, mais quand on a essayé même de croire à un homme qui s'est laissé aller dans plein de choses. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, on veut quelqu'un qui rassemble les Camerounais. Bien vrai que Kamto rassemble les Camerounais, mais il est... Et c'est comme... Et c'est la même chose. On est fatigué de dire que Biya est mal entouré. Il rassemble les Camerounais, Malarissa, je rajouterai un peu. Il rassemble les Camerounais, mais il ne fait plus l'unanimité. Il ne rassemble même plus les Camerounais, même ceux qui étaient avec lui ont quitté le navire, ma chérie. Je peux pas aller. Oui, vas-y. Oui, attends, ma Solange, je te laisse, excuse-moi, je te laisse. Mais moi, je vais finir. Ce que je pense... Je veux pas que tu finisses avant, que je vais juste renchérir ce que tu dis. Je vais te laisser continuer. Moi, je trouve que tu vois, tu dis ce que tu penses, mais tu es très, très dur avec le fait, ça dit dire...
comme ça, à mon autre vision, ça fait plaisir aux détracteurs de Kamto, tu vois. J'aurais voulu que tu le dises autrement, sur un plateau. Je le dis dans les réseaux sociaux, ça ne s'interprète pas bien. On sait tous, moi je suis du même avis que toi, mais je ne le dirai pas comme ça. Je sais que pourquoi tu... ma chérie pourquoi Non, tu non, vas non, le dire je ne le dirai pas comme ça parce qu'on est dans un aspect politique, on n'est pas dans un aspect où on est obligé de venir dire les choses, ce n'est pas de la rigolade, c'est quelque chose de très, 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 très sérieux. Et maintenant, quand on aborde ce genre de sujet, parlant de Kamto, comme tu viens de dire, tu as dit tellement de belles choses le concernant, mais là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est le fait que tu le dis avec beaucoup d'insistance que Kamto ne peut pas. Et là, je te dis, même si on le pense, il ne faut pas dire ça. Parce que quand non, on a un tu... candidat, quand on a un candidat qu'on affectionne, un candidat qui nous a fait, qui nous a donné, parce que Kamto nous a beaucoup ouvert les yeux. Et seulement pour ça, on peut souhaiter, on peut prier, on peut croiser les doigts, parce que la politique, c'est la politique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à Kamto. On ne sait pas encore, lors des campagnes électorales, bonsoir, mon frère Jean-Paul. On pourra vivre autre chose, des nouvelles propositions, peut-être un autre challenge et tout, mais pour le moment, pour moi, Kamto reste le président emblématique de beaucoup de Camerounais, oui, malgré monsieur. Les erreurs, malgré, Mais, voilà, c'est ce que je voulais dire. Non, mais tu as raison, mais sauf que cacher ça, c'est après, chaque personne a sa façon de voir non, les choses. Je moi, je pense que... pas, je te critique pas. Je t'ai simplement dit... Non, je ne dis pas que tu me critiques. Il n'y a pas de souci, ma belle. Moi, je prends ton avis avec... c'est normal, chaque personne a son avis. Mais je pense qu'il ne faut pas cacher les choses. Parce que les Camerounais, aujourd'hui, on a besoin de vérité. Arrêtons de toujours dire, oui, mais parce que quand tu penses quelque chose, il ne faut pas le dire. Non, il faut le dire. Et comme moi, j'étais... Kamto, c'est pas Kamto qui m'a fait ouvrir les yeux sur le Cameroun, hein, peut-être toi ou d'autres. Nous, ça fait depuis qu'on suit l'histoire du Cameroun. C'est pas Kamto qui nous a fait ouvrir les yeux sur le Cameroun. Ben, non, ça va être déjà moi, que... c'est pas aujourd'hui. Hein. Depuis... Voilà, c'est pas Kamto. Moi, c'est pas aujourd'hui. Moi, c'est même pas Kamto qui m'a fait ouvrir les yeux sur le Cameroun, je le redis. Et c'est toujours, et c'est pour ça que. Moi, on m'a fait des pieds et des mains pour que je prenne la carte du MRC. J'ai refusé parce que moi, j'ai toujours voulu être un électron libre. J'ai toujours voulu être un électron libre et d'être libre de mes pensées parce que je pense que du moment que tu appartiens à un parti politique, là, ton raisonnement est valable, Solan. Je n'appartiens pas au MRC. Je suis un électron libre. Donc, je dis ce que je pense. Tu vois? Si j'appartenais au MRC... Là, ton discours aurait eu une cohérence parce que quand tu appartiens à un parti politique, même s'il se passe des choses, tu vois, qui ne sont pas correctes, tu gardes ça et puis vous réglez ça en interne. Moi, je n'appartiens pas au MRC. Je suis un électron libre. J'ai soutenu Kamto et je dis toujours et je le redis que c'est un homme qui a vraiment, on ne peut pas le critiquer parce qu'il a ouvert les yeux à beaucoup de Camerounais. Hein? Il a ouvert les yeux à beaucoup de Camerounais, pas moi. Il a ouvert les yeux à beaucoup de Camerounais. Il a fait vraiment avancer les choses politiquement au Cameroun. Mais aujourd'hui, ce n'est plus l'homme de la situation. Et ce n'est pas parce que tu le dis que tu n'aimes pas Kamto ou que tu es... je vois encore les commentaires. Oui, cette dame est pour Cabral Libye, des conneries comme d'habitude. Hein, parce que quand je suis venue me battre pour les Camerounais, je n'ai pas attendu l'avis de qui que ce soit. Hein, je me suis levée de moi, j'ai observé, j'ai regardé le programme de Kamto, j'ai regardé le programme de Cabral Libi, j'ai regardé le programme de toutes les personnes, et puis je me suis assise, j'ai réfléchi, j'ai dit, ah, moi, c'est ce monsieur qui me convainc. Aujourd'hui, il ne me convainc plus, il ne convainc plus beaucoup de Camerounais. Aujourd'hui, si tu fais une marche, par exemple, comme on avait fait à Paris, par rapport à la libération du Cameroun, il y aura combien de Camerounais? Donc, ça veut dire qu'il n'est plus rassembleur. Et on n'arrive pas à... Et sachez qu'on a une dictature devant nous, les filles. On n'a pas, c'est pas une dictature de 40 ans. On n'a pas une dictature de 10 ans ou de 15. Non. On a une dictature de 40 ans. Donc, si nous ne sommes pas réalistes et ne voyons pas les choses d'une manière réaliste et pragmatique, on va aller droit dans le mur. On va aller droit dans le mur. Non, moi, c'est ce que je veux dire. Je veux dire,
Je vais répondre par pas les gens bien. Bien là, ne pense pas que. Il y a quelqu'un qui demande le. Non, mais Marcel Tchangé, quelle jalousie. Non, mais franchement, quelle jalousie. Non, 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 vous arrêtez avec vos personnes. Arrêtez avec vos bêtises. Moi, jalouse de Kamto par rapport à quoi? Voilà. Attends, attends un peu. Ma petite soeur, Yoyambiana, je vais pas répondre à Yoyambiana. Yoyambiana, tu penses que nous tous nous voulons le changement dans notre pays. Nous ne sommes pas mis, parce que moi, quand je me suis levée, même ce n'était même pas pour un parti politique. Moi-même, à la base, mon candidat, c'était Cabral. Mais mon candidat, c'était Cabral. Toute l'Europe était presque pour Cabral. Nous, on ne connaissait même pas le professeur Maurice Kamto. Hein? Non. La diaspora était derrière Cabral. Cabral. Oui, Cabral. Tout le monde était Cabral. Si beaucoup de Camerounais ont eu le toupet, c'est Cabral, c'est l'homme Cabral qui a levé plomb de Camerounais. Ce n'est pas Kamto, c'est Cabral. Parce que toute la diaspora, Cabral est venu en Europe, il a fait toute l'Europe. Partout où il passait, il y avait du monde. Il a eu beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'il a fait toute la diaspora. Et il a récolté beaucoup de fonds en diaspora. Mmh. C'était Cabral. Mmh. Le professeur Maurice Kamto, moi, je l'ai connu. Oui, bébé. Oui, vas-y, allez-y. Moi, je l'ai connu lors du truc là. Comment ça dit? Quand on dit ça, comment? Ça veut dire que les masques tombent, n'importe quoi. comment il s'appelle? Lors de irrecevable, c'est là où moi j'ai connu le professeur Maurice Kamto. Moi je ne le connaissais pas. Pour vous dire vrai, moi je ne connaissais pas le professeur Maurice Kamto. C'est Cabral que moi je connaissais. Donc moi j'ai aimé le professeur Maurice Kamto, c'était lors de irrecevable. Et la personne qui m'a vraiment fait aimer, c'était Ndoki. C'était la plaidoirie de Ndoki qui m'a fait aimer le parti. Mm. Le professeur Maurice Kamto, moi, je ne le connaissais pas. Donc, c'est comme ça que, avec le temps, nous tous, on a appris à embrasser le MRC. Parce que c'était le seul parti qui osait. Mais ce qui est vrai, ce qui est sûr, c'est que le MRC, hormis, laissons même l'homme Kamto. Le MRC, c'est le seul. Le père Kamto, lui, bon. Oui, laissons le père Kamto. Oui, oui. Qui vont vouloir voter. Voilà. Laissons un peu le truc tantôt. Le MRC est le seul parti de position. Non, mais tu sais, étonne de luxe, excuse-moi, je te coupe pas. Le problème des gens qui supportent Kamto, c'est qu'ils ne voient pas le MRC sans Kamto, sauf que c'est une erreur. Kamto, exactement. Kamto demain il va laisser le flambeau. Vous allez dire quoi? Qu'on ne veut pas un tel, on ne veut pas un tel. Le problème des Camerounais et qui sont toujours en train de se plaindre, c'est qu'ils n'acceptent pas la vie des autres. Tu vois, dès que tu commences à donner ton avis, on commence à t'insulter. Alors que tu donnes tout simplement ton avis. On est là juste pour partager les avis. Hein. Il n'y a rien de méchant. Soyez un peu. Quand tu dis que. Cabral ne représente rien, c'est la fabrication. Avant que Cabral nous montre que. Exubéry. Cabral ne nous montre pas, avant que Cabral ne déconne, tout le monde a cru en lui. Avant qu'il ne déconne, tout le monde a cru en Kamto, en Cabral. Oui. Tout le monde a cru en lui. C'est quand il a fait ce qu'il a fait que il a déçu plein de gens, que tout le monde. Ici, moi, j'ai un représentant de Cabral. Je ne l'entends même plus parler de Cabral. Il était en concurrence avec Nourane au Cameroun. Si vous vous souvenez. Dit que Cabral doit laisser la place aux autres. C'est lui qui était en concurrence avec Nourane. Il était en concurrence avec Nourane au Cameroun. C'est lui, il était ici. Je vous dis que. C'est Cabral que moi, j'étais derrière Cabral parce que celui-là qui est ici, qui était le représentant de Cabral, il nous a mobilisés. Il nous a mobilisés, nous, on était derrière Cabral. Donc, ce qui fait que c'est parce que Cabral a dessus plus d'un que nous avons abandonné Cabral et qu'on a préféré le MRC parce qu'on a vu quand même que le MRC, c'était le seul parti d'opposition qui faisait un peu quelque chose.
Et c'est pour cela qu'on va toujours parler de l'opposition, on parlera toujours du MRC, parce qu'ils sont fiers avec nous, les activistes. Ils sont fiers avec nous. Non, mais tu sais, oui. C'est que vous savez, les filles, qu'il y a plein d'activistes comme qui ont fait comme moi, par exemple, Calibri n'a aucune carte d'un membre du parti. Parce que du moment que tu observes, parce que nous sommes dans l'observation, celui qui va réellement nous convaincre, là, on va prendre la carte du parti, mais. On ne peut pas dire qu'on prend la carte du parti d'un parti politique et mettre des critiques sur ce parti politique à Mondial Vision. Non, ça, ce n'est pas possible. Et c'est toujours pour ça que beaucoup d'entre nous ont voulu rester électrons libres. C'est pour ça que je me demande si est-ce que ça vaut la peine de dire ça, parce que nous sommes dans une période un peu très, très, très sensible. Et aujourd'hui, on ne sait même pas qui est celui. Parce que parlant même de tout ça, moi, je dis, il faut avoir la vision sur le candidat favori, qui jusqu'à maintenant, pour moi, reste Kamto. Et même si ce n'est pas Kamto qui va arriver, j'aimerais qu'on reste dans un discours, tu vois, genre, on sait, nous tous, on peut tout dénoncer. On dénonce, moi-même, j'ai dénoncé. Le professeur Kamto à lui-même n'est pas un problème. Tu comprends un peu. Le professeur Amaurice Kamto à lui-même n'est pas un problème. Ce sont ces gens-là qui sont là, les membres du directoire, et les sympathisants, et les personnes. C'est ça, ce sont eux qui causent au problème, ce sont eux qui nuisent au parti. Non, mais Solange, il faut que tu comprennes, excuse-moi ma grande étonne, il faut que tu comprennes quelque chose. Il faut maintenant que nous, les Camerounais, nous changeons de mentalité. C'est-à-dire que c'est quand Kamto ou n'importe quel homme politique qui va venir au Cameroun et faire des bêtises, on va dire que ça, ce que tu as fait ici, n'est pas bien. Et il ne faut pas avoir peur de le dire, parce que c'est comme ça que l'ouverture des mentalités va arriver. Parce que même ici, je ne sais pas si tu vis en France, mais quand Macron fait quelque chose, les gens disent non. Même les gens de son parti politique disent que non, là, tu as fait faux. Tu vois, on ne peut pas dire que... Tu vois, Maëtone, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que... c'est les gens de son directoire. C'est la même chose qu'on reproche à Biya. Non, c'est ses ministres qui font faux, qui ne travaillent pas bien. Non, si tu vois que des gens dans ton directoire ne vont pas dans le sens du rassemblement, ne vont pas dans le sens font des bêtises, par exemple, tu les limoges tout simplement, parce que nous avons besoin de changement. Tu ne peux pas garder des gens qui sont directeurs de ton parti, qui, à Mondial Vision, se moquent des gens, insultent les gens, font des choses incroyables que, franchement, je ne sais pas comment est-ce que ça se fait qu'ils sont encore dans le parti. Et tu continues à travailler avec eux. Moi, je ne peux pas suivre une femme comme Abouba, je ne sais pas quoi sur son nom. Je ne peux pas la suivre, cette femme. Elle est ignoble. Je ne peux pas suivre des gens comme Henri Djoko qui ne font que faire des bugs d'argent, c'est pas possible. Et tu dis que ces gens-là sont dans ton directeur, mais il faut les limoger. Et on va dire que non, c'est pas Kamto, mais c'est qui a la tête de ce parti politique, c'est Kamto. Et donc on va monter avec des gens comme ça au pouvoir, mais c'est que non, je suis désolée, mais vraiment, c'est qu'il y a un problème. Hein. Moi, je ne monte pas avec des gens comme ça au pouvoir, sachant d'où on sort. Il faut être d'une exigence avec le prochain gouvernement camerounais qui n'a pas de nom, c'est-à-dire qu'il faut être intransigeant. On ne laissera rien passer. Si tu veux monter au pouvoir, tu montres patte blanche. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui déconnent dans ton parti politique, vous n'êtes même pas au pouvoir, vous agissez comme ça, mais le jour où vous allez être au pouvoir, ça va être quoi? Non, mais imaginez. Et ce n'est pas parce qu'on porte une critique sur Kamto, que non, parce qu'en ce moment, tu sais, c'est chaud. Non, il a déconné sur certains points. Et il faut qu'on le dise. Et moi, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup Calibri, parce qu'il n'hésite pas à dire, même si on soutient tout cet homme-là, il a déconné sur certaines choses. Il faut parfois dire les choses. Il ne faut pas avoir peur. Parce que c'est le problème qu'on a toujours eu. Ah non, tu sais, il ne faut pas parler. Bon, non, ça n'amènera pas le changement au Cameroun.
Je suis désolée. Ça n'amènera pas le changement. Il faut que nous-mêmes, qui sommes devant, qui voulons que les Camerounais changent de mentalité, nous-mêmes devons travailler dans, nous-mêmes devons travailler nos mentalités. Kamto, il a déconné à des moments, hein, mais ça reste un homme politique que moi, j'apprécie beaucoup. Mais voilà, il y a des choses qui ne vont pas. Et tu, on ne peut pas monter au pouvoir avec des gens comme ça qui sont dans son directoire. Je suis désolée. Maintenant, bon, s'il y en a certains qui continuent à croire en la merveille ou qui croient autre chose, ça, c'est leur problème. Moi, je dis que celui qui va venir là, qui va rassembler les Camerounais, qui va pas hésiter à limoger des gens qui sont là pour foutre la merde, on va le suivre. C'est tout. Qu'il soit du nord au haut, du sud, de l'est à l'est, moi, c'est pas mon problème. Moi, je suis pas dans ce genre d'histoire. Et je vous dis même que moi, j'ai découvert Kamto en 2014. Peut-être que vous, les gens l'ont connu en 2018, là. Moi, je l'ai connu en 2014. Donc, les gens qui viennent là dire « Oh, tu ne connais pas Kamto », comme ils aiment trop Kamto plus que les autres. Moi, j'ai horreur de la mentalité. C'est pour ça que je n'aime pas intervenir dans les directs des Camerounais, parce que dès que tu émets un avis, « Oh, mais tu connais quoi ? Tu ne connais rien, tu es ci, tu es ça. » Des bêtises, quoi, voilà. C'est les Camerounais, c'est la mentalité camerounaise. Bah, tu regardes pas la mentalité, tu dis ce que tu penses, mais il faut aussi apprendre à comprendre la contradiction, parce que la contradiction, on n'a pas besoin de trop se justifier. Tu as dit ce que tu pensais, moi-même j'ai compris, et vraiment ton message est perçant, c'est touchant, mais je t'ai simplement dit que moi je le dirais autrement, parce que je non, le pense. Non, je parle pas de toi, ma belle, hein. Je parle de ceux qui commentent non, là. Non, c'est toi et moi, on échange là. Je ne parle pas des autres. J'ai compris ce que tu as dit. Tu as dit exactement ce que beaucoup pensent et beaucoup l'expriment autrement. Et moi, je te l'ai dit sincèrement, de tout cœur, si c'est moi, je l'exprime autrement. Parce que c'est vrai, on est en train de travailler. C'est une période où les gens cherchent sur qui s'accrocher. Je ne suis pas la personne qui va venir dire des choses pour m'attirer. Et pourtant, les gens savent où est la réalité. Tous les Camerounais sont pas bêtes. On sait où est la vérité. On sait où aller chercher la vérité. Alors voilà pourquoi tout à l'heure, on parlait de AB qui est sorti et les gens s'indignaient sur le fait que AB est sorti, les Camerounais doivent recommencer encore peut-être à demander la justice pour Martinez Ogo. Et moi, je dis non, je ne peux pas. Je ne pourrais plus aujourd'hui me permettre de me prononcer sur les injustices au Cameroun parce que déjà, les résultats, ça n'aboutit jamais. On n'a pas un résultat concret. C'est aussi des points sur lesquels il faut en parler. Tu sais, ma belle, excuse-moi, je te coupe pas. Moi, je suis persuadée que Amoukou Belinga n'était pas en prison. Hein? Il n'était pas en prison parce que, comme par hasard, on n'a plus jamais eu de photos de. On a tout. Souviens-toi quand Kamto était en prison. Il y avait les photos de Kamto. On avait les photos de tout le monde quand ils étaient en prison. Moi, je reste persuadée qu'il n'était pas en prison, ce monsieur. On a fait là un petit film pour un peu embrouiller les Camerounais, comme on sait qu'eux, ils tombent facilement dans l'eau. On a dû le cacher là-bas quelque part. Bon, cache-toi un peu, arrête de trop parler, reste tranquille, on va essayer de voir. Et voilà maintenant qu'il est sorti et rien ne se passera, ma chérie. On a beau crier les Camerounais. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que tu suggères ? Parce que c'est des points sur lesquels c'est pas Kamto qui viendra ou le futur président qui viendra tout suite changer ça. Il faut aussi que les Camerounais montrent leur détermination par rapport à des situations pareilles. Il ne faut pas tout mettre sur les dirigeants. Les Camerounais ne sont pas prêts, c'est tout. C'est tout. Bon, là, voilà, là, je te donne 100%. Tu as tout compris, les Camerounais ne sont pas prêts, ma belle, mais néanmoins, ceux qui peuvent continuer à parler, parce que malheureusement, c'est comme ça qu'on va changer le Cameroun, ceux qui ont la force, parce qu'il faut aussi avoir la force et le moral, ceux qui ont la force et le moral de continuer à parler, il faut parler, mais le changement ne viendra d'aucun dirigeant au Cameroun, ça viendra des Camerounais qui vont se lever
lever, main dans la main. Nous, on peut même crier ici 100 ans. C'est là-bas que ça se passe, au 237. Voilà. Ah, je suis d'accord. C'est là-bas que ça se passe. Oui, oui, oui. C'est là. Moi, j'ai souvent, quand je criais ici, là, quand on criait ici, là, ma mère, elle revenait du pays, elle a dit, mais toi, vous fatiguez même, pourquoi? Ils sont là-bas tranquilles, hein, c'est vous qui êtes en train de vous fatiguer ici dans les marches partout. Mais les Camerounais sont comme s'il n'y avait rien. Donc, quand tu entends déjà ça, alors que toi, tu es là, tu abandonnes ta famille, tu abandonnes plein de choses pour aller marcher, alors qu'eux, ils sont là-bas au pays, c'est eux-mêmes qui vont te dire, mais on ne t'a pas envoyé dehors. On ne t'a pas envoyé. Moi, je pense que les filles, hein, je pense que hein, si Franck Biya passe, là, il y aura peut-être quelque chose. Tu vois, là, les Camerounais, parce que ça, c'est quelque chose que je ne pense pas qu'ils vont laisser faire. Encore qu'ils sont capables de nous surprendre. Agnès Lundi, qui parle là. Agnès Lundi, tu es la police. Ils sont capables de nous... Tu veux venir l'arrêter. Ah yes. Exactement, Kigali. Les Camerounais ne gèrent pas nos lives. Ils ne nous gèrent pas. Je dis que ma mère me le dit tout le temps. Vous êtes là en train de vous fatiguer pour rien. Ils ne vous gèrent même pas. Ils ne sont même pas au courant de ce que vous... On est vous pouvez pas. Les gens ne vous pouvez pas entrer. On est ce que vous racontez. Donc, c'est ce que je dis. Moi, je pense que les Camerounais, le moment où vont peut-être se réveiller, c'est quand Franck Biya va monter au pouvoir, parce que c'est leur plan, hein. C'est leur plan. J'ai dit tantôt dans mon live, c'était d'hier et tout, j'ai dit quand je crois que j'étais avec ma juge, j'ai dit, nous allons tous aller manger cette merde-là. Restons là, ne faisons rien. Restons là dans les querelles, dans les divisions, dans les distractions. On va tous aller boire la mer de Franck Biya. Et là où moi, le conseil que moi je donnerais aux activistes, ceux-là qui se sont montrés, battons-nous pour que vous puissiez, n'est-ce pas, avoir votre droit de sol. Voilà mon combat. Parce que les Camerounais ne veulent plus pas se lever. Moi, mon combat, c'est quoi? C'est que tous les combattants qui n'ont plus le droit de sol dans leur pays-là, que vous ayez le droit de sol désormais. Ouais, oui, c'est quoi même, non? Laisse un peu tranquille. Non, peut-être qu'il veut que je cause avec lui, le pauvre. Agnès, tu dis que quoi? Ceux qui sont fatigués de la lutte vont se reposer. Mmh. Eh bien, toi aussi. Il y a le père Mignon. C'est le petit qui a atterri. C'est le petit. Non, c'est Agnès Lundi. Même si le père Mignon est là, on a appuyé sur déranger. Ils vont tous sortir. Venez, venez, venez. Mais on avait vraiment, besoin de vous. Mais vraiment, Kigali. Va faire ton live, Mignon. On va tous boire Suicidox et on va attendre que. Au lieu de se battre pour que Franck Biya ne soit pas au pouvoir, on est en train de se quereller pour rien. Je te jure. Parce que c'est moi, là. Moi, je suis en train de dire, Jacques, que nous, ici, là, qu'est-ce qu'on. Si on le fait, on peut c'est quoi, c'est qu'elle. On va beau bavarder, non, les filles. On va faire nos lives. Si les gens veulent faire passer Franck Biya, non, ils vont faire passer Franck Biya. Mais s'ils savent que nous sommes soudés ici, c'est pour ça qu'on leur dit, restons soudés. Parce que quand ils sauront que nous sommes soudés, ils savent qu'ils vont faire leur truc là-bas au Cameroun. Mais arrivés ici en diaspora, ils vont nous trouver sur leur chemin. Ils sauront. Moi, c'est pour ça que je dis que... Oui, hein. Je pense que c'est Franck Biya qui va faire bouger les Camerounais, parce que quand ils vont entendre qu'il est au pouvoir, là, les gens vont sortir et il y aura les Camerounais de tout horizon qui vont sortir, parce que de ce que je lis un peu et quand je me renseigne, beaucoup de gens disent non à Franck Biya. Ils disent non à Franck Biya. Donc, moi, c'est mon seul espoir pour que les Camerounais puissent se lever. Parce que si on compte sur les partis politiques, on laisse tomber. Les Camerounais ne exactement. Sont pas... Exactement. Ils ne sont pas pour ça. Les partis politiques ne font pas l'unanimité au Cameroun. Non. Aucun parti politique ne fait l'unanimité au Cameroun. La seule personne qui peut nous faire l'unanimité, c'est le peuple. C'est le peuple qui peut nous faire bouger les choses. Et même les élites de l'Est, les gens même de Biya sont contre Franck Biya. Donc, c'est ce qui est bien.
Yassine dit ceci. Vous voulez que la lutte devienne le show, n'est-ce pas? Mais c'est déjà le show. Aïe. Agnès, Agnès va me tuer. Ça et passe en tout seul. Elle rit en plus, hein. Elle me plaît qu'elle devienne le show. Agnès, quand les gens partent boycotter, là, c'est pas le show. Tu as vu comment ils sont dans le show, le white man show. Voilà, la distraction, la distraction, le désordre, les ceci. On leur dit que non. Laissez les activistes, les artistes, ils souffrent comme nous. Laissez-les, ils sont les fans. Hein? Les artistes ont les fans. Laissez-les. Vous voulez que votre champion, qu'on le vote en 2027, oui ou non? Voilà, si c'est oui, laissez les artistes, ils sont vous savez aussi, quelle est la nouvelle, la mission de mes frères Bassa, c'est que j'entends ça fait peut-être 6 mois, qu'ils veulent que ça soit Eto'o au pouvoir. Mais je ne sais même pas si les gens sont malades dans leur tête, ou je ne sais même pas ce que c'est, même pas Eto'o, c'est même pas, mais je sais pas pourquoi les Camerounais réfléchissent par ethnie, seigneur. Et toi, à faire quoi au Cameroun? Genre, jusqu'à être président, déjà qu'il n'arrive pas à gérer la fécafoot. Je te jure, les Camerounais me dépendent. En tout cas, les filles, là, j'ai bien rigolé ce soir parce que là, les commentaires... Mignosité est là, Mignosité pleure. Tu ne montes pas, tu souffres là-bas en bas. Mignosité dit que nous, on veut qu'on quelqu'un comme le président. On veut quelqu'un comme le président du. Je ne sais pas si c'est du. Qui est jeune là, si c'est le Burkina Faso. On veut. Oui, Burkina Faso, le Kaoué. Oui. On veut des gens. Comme ça, pardon. On veut un petit jeune. Un petit jeune qui va venir vider tout ce monde-là. Ça viendra avec le temps. Ça viendra. Parce que vous savez que les filles, hein, le plus. Bia même va partir parce que même la vie et même va le. Il est sur une sortie là, il est partant là. Qui, Bia? Oui. Il avait dit rendez-vous dans 20 ans, voilà. Oui. Même la nature va le rattraper, sauf que c'est même plus Bia qui est trop important, c'est le système Bia qu'il faut démanteler parce que c'est lui qui est lourd. C'est le système Bia. Oh. Ouais, ma sœur, tu en es tout aussi, laisse un peu Larissa. Ah. Ça, ça veut dire que décidément, tu donnes l'impression. Et tu sais que quand on ne va pas dans leur sens, tu sais que moi j'ai compris ça le jour où j'ai dit que Camto n'était pas Dieu. La veille, j'étais la chouchoute. Le jour où j'ai dit que Camto n'est pas Dieu, il fallait voir comment on a insulté même mes arrière-grands-parents. Non. Les gens, là, dès que tu dis un mot qui ne va pas dans leur sens par rapport à Camto, tu deviens leur ennemi. Donc, moi, je suis habituée. Comme ça. Ah non, laisse notre père. Laisse notre papa comme ça. Laisse le Jésus du Cameroun tranquille, pardon. Oui, c'est notre père à nous. C'est notre maison, ton père, descend. On a le droit de dire la vérité. Ah oui. Quand ton père fait mal, tu lui dis papa, tu as mal fait. Là, je suis pas bien d'accord. Je suis d'accord avec toi. Cette fille est extrêmement dangereuse. Je suis dangereuse dans quoi? Il ne s'entend pas parler. Laisse-le comme ça lui aussi. Il ne s'entend pas parler. Ouais. Comment on peut dire que Camto ne sera jamais président et puis dire que les Camerounais vont sortir quand... Non mais bébé Dean, franchement, il faut relire ta question parce que même mon fils qui a 11 ans à côté, franchement... Les Camerounais... bébé Jean, Maso, le problème c'est quoi? C'est que quand nous on sait, le problème c'est quoi? C'est que Maso, d'une part, ce que Larissa a dit, par rapport à certaines choses, pas que Camto ne sera jamais, certaines choses que Larissa a dit, elle a raison. Pourquoi? Parce que lorsqu'on crie ici matin, midi, soir, dis à mes frères,
la brigade des Bangangé là. J'ai comme l'impression que ces gens-là, eux-mêmes, ils sont en train de détruire Kanto. Ou peut-être que je ne comprends pas. Quand on dit aux gens que ce qu'on leur demande de ne pas faire, ça nuit à Kanto, c'est ce que ces gens-là s'en vont faire. C'est-à-dire, je n'ai jamais compris l'autre là. Mais oui. Parce que mais quand tu fais ça, on attribue tout ça à Kanto. Tu sais, ma chérie. Étonne de Luz, quand ils ont commencé, c'est ce que tu appelles la brigade de Bangante, là. Quand ils ont commencé, on leur a dit attention, ce que vous êtes en train de faire va nuire à Kamto. Parce que nous avons, moi j'ai du recul. Il y a des Camerounais qui ne réfléchissent pas beaucoup, donc ils n'ont pas de recul. Ce que vous êtes en train de faire va nuire à Kamto. Attention. Oh non. Kamto ou rien, Kamto. Déjà, quand tu dis, quand tu as un slogan pareil, Kamto ou rien, mais attends, mais sérieux, quoi? En fait, ce que je voulais dire, je voulais répondre un peu, c'est que je veux répondre à ce que ma luxueuse a dit, dans le même sens, quand on dit que Kamto ne répond pas. Nous savons tous la mentalité des Camerounais. Pour l'autre, là, non, je défendrai Kamto jusqu'à la gare. Kamto, là, est juste victime. Il est victime du harcèlement des personnes qui se servent de son nom pour mener leur sale besogne. C'est ce que je t'avais dit, non? Attends, non. Kamto a fait des sorties. Non, c'est parce que Larissa a toujours dit Kamto ne dit rien, je comprends. Non, là, je suis d'accord avec toi, mais je vais te répondre maintenant, après. Là, je suis d'accord avec toi. Il est victime. Après, laisse-moi finir, s'il te plaît. Après, maintenant, Kamto, lui, il sait qu'il a en face de lui des personnes que si seulement pour le vomir, ils vont aller inventer des choses, le caricaturer. Vous voyez les gens qui sont même dans cette résistance, mais vous ne les maîtrisez pas. Vous ne les maîtrisez pas. C'est que Kamto maîtrise la situation. Ces gars-là, de la même façon qu'ils t'élèvent, de la même façon ils te détruisent. Ils te détruisent jusqu'à la racine. Et Kamto qui... Yves Bertrand dit ceci, donc Bia est aussi victime. Mais Bia n'est pas victime parce que Bia est au pouvoir. Bia a quand même, c'est-à-dire il a l'influence, il a tout pour écraser les personnes qui s'attaquent à lui. Raison pour laquelle les dispositions de Bia, c'est que tu l'insultes, beaucoup n'iront pas au Cameroun. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ton pouvoir. Il a cette capacité de contrôle. Mais Kamto aspire. Et donc, quand il aspire, il a en face de lui des gens qui sont même encore plus méchants et dangereux. Donc, lui, Kamto, il va faire preuve de sagesse. Soit il prend du recul, soit il s'efface, soit il fait des choses en dehors de ces personnes. Ces gens vont beau utiliser son nom, mais il est dans son domaine. Il ne pourra maintenant, pour finir, je me souviens d'au moins trois sorties de Kamto qui se désolidarisaient et qui condamnaient certains actes barbares. Mais seulement quand Kamto s'exprime, s'adresse à des personnes qui sont majeures et qui ont pris leur décision et qui ont leur position. Qu'est-ce que Kamto va venir faire? À quelqu'un qui boit sa bière, il raconte les choses. Et quelqu'un qui ment en longueur de journée, il va mentir de la même façon sur Kamto. Il va inventer les histoires même que pour raconter et ternir l'image de Kamto. Donc Kamto, pour rester en haut, ne doit pas tout le temps venir répondre parce que les gens ont fait ceci et puis on va mettre sur Kamto. Ça, c'est ma façon à moi de voir les choses. Si tu veux grandir, tu marches avec quelqu'un. Kamto souffre. Si tu veux grandir et que tu te mets avec des personnes, tu te rends compte, c'est-à-dire tu réalises que tu t'es trompé de la compagnie. Tu fais quoi? Soit tu t'effaces. Soit tu joues le jeu, tu es là, tu n'es pas là pour avancer tranquillement. Parce que le Camerounais, c'est quelqu'un qui a l'art de construire et de détruire en même temps. Il a toutes les possibilités de te détruire jusqu'à la racine. Et pour moi, je comprends un peu la position de Kamto. Ça dit que le fait que lui, il soit là,
là et qu'il ne répond pas aux attentes de ces personnes. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Tu sais, ma chérie, tu as une vision trop idéaliste de la politique, en fait. Et je ne sais pas si tu suis, en fait, d'autres... Je ne sais pas si, à part le Cameroun, tu suis un peu d'autres politiciens en Afrique. Peut-être, je ne sais pas. Mais je prends, par exemple, tu as une vision trop idéaliste. Oui, il ne doit pas... Mais non, en fait, on ne dit pas que Kamto doit répondre à tout. C'est un homme politique, c'est normal, tout, les gens vont l'attaquer. Et tu sais que le bâton le plus facile au Cameroun, c'est attaquer les gens sur l'ethnie, sur plein de choses. Maintenant, moi, je parle, tu dis bien que Kamto n'est pas au pouvoir, mais pour le moment, il est responsable d'un parti politique. Quand même, tu n'es même pas encore arrivé au pouvoir. Dans ton parti politique, il y a eu des vols. Et on ne parle pas des sympathisants comme nous, ou moi, je ne suis même pas sympathisant, parce que ceux qui sont sympathisants, on les carte. On ne parle même pas du directoire. On parle des gens que tu as nommés. Parce que tu as nommé. On parle des gens que tu as nommés. Mm-hmm. Quand des gens que tu as nommés ont des sales paroles, ont des paroles qui, toi-même, parce que les agissements des gens de son directoire nuisent à Kamto, ont des agissements qui sont juste à vomir. Je suis désolée, tu dois les limoger. Et du moment que tu ne les limoges pas, ça veut dire que tu es complice de leurs bêtises. Parce que, OK, Kamto ne peut pas venir répondre à, par exemple, moi qui suis en train de parler parce que je n'ai aucune importance devant lui. Mais quand quelqu'un de ton directoire, c'est comme si toi, selon tu diriges une entreprise, et dans ton entreprise il y a quelqu'un qui te nuit, mais tu vas faire quoi? Tu vas le limoger? Ou quelqu'un qui nuit par exemple à tes employés? Si tu as quelqu'un dans ton entreprise qui nuit à tes employés, tu vas le limoger? Mais donc pourquoi tu refuses de limoger ce qui nuit à l'image du MRC? Et demain tu vas monter au pouvoir, tu vas faire comme Biya, tu vas refuser de limoger les ministres qui volent parce que non, tu ne veux pas te truquer, tu ne veux pas, non. Et je ne sais pas si tu regardes Ouattara limoge non, les ministres tous les jours. Je regarde tout ça. Mais il faut savoir que le parti politique du MRC, il y a des choses à l'interne que nous ne devons pas rentrer là-dedans. Non, c'est je peux aussi te répondre. Non, ma chérie, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je vote Kamto. Je vais te répondre. Déjà, en ce qui concerne les statuts, oui, parce que je me suis penchée là-dessus, je me suis renseignée. Et donc, ce n'est pas à moi de venir dire. Mais pourquoi? Je peux te rassurer que Kamto ne peut pas limoger quelqu'un. Moi, je ne le voterai pas. Je suis désolée s'il ne peut pas limoger quelqu'un. Tu ne peux pas m'encourager à voter Kamto si il ne peut pas limoger quelqu'un. Moi, je ne veux pas voter pour lui. Ça, c'est dans le parti. Voilà. Ça, c'est dans le parti. Non. Ça, c'est dans le parti. Non, quel parti? S'il veut aller au pouvoir, arrêtez. Parce que vous-même, vous êtes en train d'induire les Camerounais en erreur. Arrêtez ça, parce que ce n'est pas bien. Si Kamto veut prendre le pouvoir, nous pouvons l'accompagner. Mais il faut qu'il soit strict avec déjà les gens de son parti. Tu ne peux pas laisser des gens qui sont comme les boubats, je ne sais pas, excusez-moi de parler de cette fille parce que moi, m'a tellement choquée depuis le début, être toujours dans ton parti politique. Et je vais aller voter ces gens-là pour qu'ils soient étudiés. Ah non, moi, je suis désolée, vous allez les voter, citer, vous. Hein? Tu peux citer quelqu'un qui a été limogé dans les pays africains. Est-ce qu'on parle de limogeage comme ça? Oui. Même ici en France, on parle de limogeage. Ouattara limoge ses ministres tous les jours. Même aujourd'hui, il a limogé un ministre parce qu'il a limogé celui qui n'avait pas fait le stade. Hein. Il a limogé. Hein. Aujourd'hui, même, il a limogé un ministre parce qu'il est parti dans sa commune. Il a vu qu'il avait donné le budget pour qu'il répare un rond-point. Le rond-point n'a pas été fait. Il a limogé. En France, ici, d'accord. Je ne sais pas si tu es en France ici, on limoge les ministres tous les jours. Il faut arrêter de dire... Non, ce n'est pas parce qu'on est au Cameroun qu'il ne faut pas faire certaines choses. Et vous qui êtes pour le changement et qui êtes devant, nous devons donner le ton. C'est-à-dire que si quelqu'un dans ton parti... Vous vous rendez compte qu'ils ne sont même pas au pouvoir. Ils n'arrivent pas à limoger les gens.
Alors, le jour où ils seront au pouvoir, il y aura un cafouillage comme il y a aujourd'hui au MRC. Il n'y aura aucun limogeage et on sera encore dans le biabis. Et on sera encore en train de se battre pour qu'on limoge certaines personnes qui ne travaillent pas. Ah non, moi, je suis désolée. Si vous, vous cautionnez ça, moi, je ne cautionne pas ça. Moi, je ne cautionne pas ça. Quand des gens dans ton parti politique, on ne dit même pas que c'est des sympathisants parce que Kamto ne veut pas aller s'occuper de tout ce qui se dit dans les maisons sur lui. Non, c'est un grand homme, il a autre chose à faire. Mais quand dans ton parti politique, il y a des gens qui sèment la zizanie, tu dois t'arrêter, te concentrer sur ceux qui sèment la zizanie et tu les limoges et on avance avec de nouvelles personnes. Et tu sais, si Kamto faisait ça, les gens n'allaient pas venir foutre la merde aujourd'hui dans le MRC. C'est parce que les gens n'ont plus peur qu'en bas, ils font tout ce qu'ils veulent. De toute façon, ils vont rester là, on ne va pas les virer. Ils peuvent faire les bêtises qu'ils font tous les jours, on ne va pas les virer. Et c'est comme ça que ça crée le chaos. Je vais descendre, s'il te plaît. Prends une autre personne. D'accord. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut monter. Bisous, bisous. Hein. Okay. Hein. On est ensemble. On doit vraiment, les filles, éduquer les Camerounais. On doit éduquer les Camerounais. Si tu veux monter au pouvoir, tu dois limoger les gens qui ne travaillent pas. Si tu ne les limoges pas, ça veut dire que tu es complice de les bêtises. Et on ne dit pas que Kamto va aller écouter tout ce que se dit dans les maisons. Mais je suis désolée, mais des gens qui travaillent avec toi, bah, tu leur dis non, ça, c'est pas bien. Ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Et tu... On te donne même un avertissement, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'avertissement au MRC. On te donne un avertissement. Si au bout du troisième avertissement, tu as encore recommencé tes bêtises, on te limoge. Mais c'est-à-dire qu'on ne limoge pas, on vient nous raconter que non, mais tu sais, Kamto ne peut pas répondre à tout. Donc, en fait, les excuses que vous êtes en train de lui donner, on peut donner les mêmes excuses à Bia. Ouais, bonsoir. Ouais, comment t'as-tu, mes soeurs, ça va? Toko, comment vas-tu? Oui, ça va, ça va. Ça va. En fait, moi, je voulais intervenir et pour vous dire que je suis à 200% d'accord avec la frangine, là, ce qu'elle disait. Vous savez, notre pays, le Cameroun, c'est un pays formidable. Mais dans la situation où notre pays est, vous savez, une société a besoin de pieds pour pouvoir marcher. Sauf que les pieds du Cameroun sont gangrénés par des parasites dont... Il faut bien, il y a un chroniqueur qui s'appelle Valère Bessala. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui. Écoutez oui. Bien ce qu'il dit. Paul Biya, autour de lui, il n'a recruté que tout simplement des cancres. Des cancres et des incompétents et tout bonnement de la fumisterie. Moi, je suis d'avis, c'est tous ces parasites. Moi, je les qualifie de parasites. Ce n'est pas des êtres humains respectant la société camerounaise. Moi, je suis quelqu'un, je ne peux pas avoir une once de sympathie ou d'empathie envers des gens qui sont des parasites qui gangrènent le pied de la société du Cameroun. Ces gens-là, il faut faire un nettoyage, les éliminer tous, avec tout l'argent qu'ils ont volé au Cameroun. Le Camerounais ne mange même pas à sa faim. Le Camerounais ne peut même pas se soigner. Le Camerounais... Au jour d'aujourd'hui, vit comme un miséreux et excusez-moi, mes sœurs, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que tout bonnement, moi, il y a une chose. Voyez-vous, moi, je suis quelqu'un qui observe beaucoup et qui analyse. J'analyse dans le sens où j'aime bien savoir l'origine du problème. Voyez-vous, j'attire votre attention sur un fait. Quand vous regardez l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. Oui. Ça ne vous fait pas réfléchir un peu, ça ne vous fait pas tiquer? Moi, ça me fait tiquer parce que quand vous regardez l'Afrique anglophone, c'est des gens qui ont avancé, qui ont évolué. Comment vous, Afrique francophone, vous êtes derrière? Attends, mon frère, je te coupe deux minutes. Ma sœur Tchangé demande que tu te présentes. Moi, je me présente, je suis Amboa Exupéry. Mm-hmm. Ouais, je vais reprendre. Je vais reprendre. Quand vous regardez l'Afrique anglophone, des colonies anglaises, vous regardez l'Afrique francophone, vous-même, vous n'êtes pas choqué de voir comment l'Afrique anglophone
a avancé et nous, Afrique francophone, nous sommes toujours sous-évolués derrière comme les fesses. Tout à fait. C'est tout simplement, moi je pose des arguments et une observation. Je vous fais bien comprendre, mes sœurs. Je vous fais deuxième point. Tous ces soi-disant présidents de la République, c'est tout simplement des agents. Oui, c'est un nom camerounais, Marcel Tchang, c'est un nom camerounais. Je suis camerounais, je suis Beti. Je suis Beti. Meneman Beti. Menemani Wondo. Moi, je vais revenir sur ce que je disais. Donc, moi, j'ai tout simplement fait une observation parce que tout simplement, nous avons hérité de ce système, ce poison qu'on appelle la France-Afrique, auquel je vous ferai remarquer que tous ces présidents de l'Afrique francophone, Afrique francophone, je dis bien, je nomine bien francophone, ils finissent toujours par quoi ? Dictateurs. Dictateurs. Tous les pays d'Afrique francophone finissent toujours quoi ? Il y a toujours des coups d'État par la dictature. C'est ce qui s'est arrivé au Gabon, c'est ce qui va arriver à Paul Biya. Tout simplement, parce que Paul Biya, il faut bien comprendre son parcours et son cursus pour qu'il soit là où il est. Paul Biya a été mis là par feu François Mitterrand, qui est à l'origine du chassement d'Aïdjo, parce que lui, Aïdjo, ne pouvait pas se voir. Voilà comment ils ont placé Paul Biya. Avec c'est Mitterrand François qui... Bourgi. Oui. Et avec, c'est tout simplement, avec tout ce monde-là, toute la France-Afrique, tous ces gens-là, c'est ce qu'autrement appelé esclaves de maison. Est-ce que là, le son est bon? Vous comprenez un peu? La France, ils ont donné l'illusion aux Africains que ce sont des pays qui ont acquis leur indépendance alors qu'ils ont placé tout bonnement leurs agents pour continuer la sujétisation, l'exploitation et l'asservissement. Denis Sassou Nguesso, la famille Bongo et tout Faure Yassimbe et tout ce qui, aussi bien que Patrice Talon, aussi bien que Ouattara. Tous ces gens-là font partie de l'agence de la France-Afrique, auquel la politique qui est décidée à l'Élysée, eux sont là pour l'appliquer. Donc Paul Biya, il le dit quand il va à Paris, il est le meilleur élève de la France, parce que tout bonnement, il a été recruté, formé, formaté à l'école de la dictature, pour pouvoir appliquer cette politique de médiocrité à tous les niveaux, qui est un poison lent. Ça qui, autour de lui, tous les ministres du RDPC, hein. Valère Bessel l'a dit, Paul Biya recrute que les plus médiocres et les méritants, il les met de côté. Marcel Tchang, tu déranges. Pourquoi tu dis maintenant que Larissa est l'ami de Ouattara? Tu ne sais pas que je suis sa belle-fille. Donc, comprenez bien dans quelle posture le Cameroun est. Donc, quand j'entends Maurice Kamto, c'est pas compliqué. Si tu prends Jésus, tu amènes au Cameroun qui se présente face à Paul Biya. Jésus va perdre. Parce que le système machiavélique que Paul Biya a élaboré dans sa stratégie mortifère est tout simplement sataniste qu'il a imposé au Cameroun, auquel même les chefs Bamoun, aussi bien que Bangante, roulent pour le système, là où Paul Biya a tout bonnement installé et instauré tous ces systèmes. Donc là où il est, ils ont déjà fait le cercueil des chefs Baham, que j'appelle des esclaves de maison, ont déjà élaboré comment ils vont tout simplement tuer et assassiner Maurice Kamto. Les choses sont claires. Donc là où les choses sont là, Maurice Kamto, sa mort en sursis, parce que je vous ferai remarquer une chose, parce que tout bonnement, les Camerounais, là où ils sont au Cameroun, nos frères, ils sont affamés pour pouvoir les contrôler. Ça s'appelle tout simplement la stratégie du contrôle, de la lobotomisation et du lavage de cerveau, comment Paul Biya a élaboré tout ce système.
Si nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de comprendre ça, on n'y arrivera jamais. Et tout cela, Maurice Kamto a compris cela, il s'est levé, il s'est rebellé comme De Gaulle s'était rebellé, il est parti, il est revenu. Mais la chose est que nous devons plutôt accompagner Maurice Kamto pour pouvoir, demain, qu'il prenne le pouvoir, mais nous devons aussi lui faire comprendre que la gangrène qu'il y a dans les pieds de la société au Cameroun, il faut la nettoyer. Il n'y a pas à avoir une once d'empathie ni de sympathie pour toute cette pourriture. Et je merci. Le dis, il faut prendre un grand virage. Un merci. Grand virage. Moi, je suis un radical. Pour ma moi part, aussi. Tu as détourné l'argent dans les caisses de l'État. C'est un crime. C'est un crime. Bravo. Des gens, pour ma part, il faut te loger une balle dans la tête et récupérer tous tes biens, tout l'argent que tu avais et tout simplement remettre dans les caisses de l'État. Tous les ministres de Biya, tous autant qu'ils sont. Moi, je suis un radical. Oui. J'estime que quand on est président, on est dans un gouvernement, on est pour l'intérêt du peuple et non sa mangeoire personnelle. Parce que, regardez, quand vous regardez dans les grands pays, ils travaillent pour l'intérêt du peuple. Je vais prendre un cas simple. Quand Paul Biya se déplace, il se déplace avec l'argent du contribuable. Je serais curieux de savoir quel est son salaire. Comment il peut aller dormir à l'hôtel intercontinental qui coûte une blinde, avec non seulement l'avion, c'est en plus un avion de location. Il n'a pas, pour un pays comme le Cameroun, tu n'as pas d'avion présidentiel, mais tu loues un avion qui coûte une blinde. Je ne sais pas qui sont tes conseillers. Deuxième chose, tous les frais hôteliers pour tous les agents, vous savez combien ça coûte et qui va payer tout ça? Hein, déjà, si le Camerounais ne mange pas à sa faim, déjà vous... Agnès, tu vas monter, qui va descendre? Agnès, tu vas monter. Agnès, tu peux descendre un peu? Mais la question aujourd'hui... Oui. Oui, attends. Quand tu entends tous ces rats, tous ces nuisibles, j'appelle ça tous ces parasites et tous ces nuisibles, il faut nettoyer tout cela. Nettoyer. Même Paul Biya, tous ces mondes, ils doivent aller. Une fois qu'il est battu, qui doit partir? C'est la prison qui l'attend. Est-ce qu'il faut vous rappeler comment au Lingingema a dégagé Bongo? Est-ce qu'il faut vous rappeler? C'est ce qui arrivera au Cameroun. C'est ce qui arrivera au Cameroun. Et je prie Dieu que ça arrive. Bonsoir. Moi, je prie Dieu que ça arrive. Parce oui, que, bonsoir, Mirabel. Parce que tous ces parasites... Tous ces parasites, je vont chercher oui, le chemin au fuir. Je t'entends, ma grande. Tous ces parasites vont chercher le chemin au fuir. C'est là que, pour ma part... Bonsoir, Agnès Lindy. Bonsoir, excusez-moi, je veux saluer ma Agnès Lindy. Bonsoir, ma Agnès Lindy. Enfin, tu es là. Quand lui parle, il écoute. Bonsoir, la luxueuse. Bonsoir, Agnès Lindy. Ma Rupero, adorée. On t'a écouté tellement qu'aujourd'hui que tu as décidé de monter ici. Ma Rupero, adorée. Ok, sois la bienvenue sur la plateforme. Ok, oui. Je suis là, je vous écoute. Allez, voilà. Je prends la parole. Bienvenue à la maison. C'est toi. Donc, moi, je voulais te dire, ma soeur, moi, je suis d'accord avec toi. Tous ces parasites, il faut nettoyer tout cela, reprendre tout l'argent qu'ils ont détourné et réinjecter dans les caisses de l'État pour tout simplement avoir une infrastructure routière digne de ce nom, des infrastructures scolaires, l'éducation, tout financer la formation professionnelle pour pas que nos jeunes ne soient des nangaboko, enlever tous ces motomanes qui polluent, toute cette pollution à Yaoundé où tu ne peux même plus passer. Vous avez des cultivateurs qui cultivent des légumes et tout ça. Ils n'ont même pas de route. Tout ça, ça pourrit. Vous vous rendez compte? Quand on donne, soi-disant, on donne des budgets à un ministre qui est pour ma part un parasite. Lui, il prend, il met l'argent dans la poche. Mais dans quel pays tu vois de telles choses? Comme dit Valère Bessala, on prend que les médiocres qu'on met en place.
les plus méritants, on les met de côté parce qu'on ne veut pas Paul Biya dans sa stratégie comme il a été formé en France pour maintenir une telle politique de médiocrité. Hein, voilà, ça, tout simplement, ça s'explique comment il gouverne le Cameroun. C'est la débandade, c'est l'anarchie, c'est tout simplement ce système. Donc, il faudra rééduquer toute la jeunesse. Pas tout le temps, parce que beaucoup de gens au pays, ils veulent voir Dieu, mais ils ne veulent pas mourir. Ils croient que Dieu va venir comme ça les sauver, ou Jésus, soi-disant de Nazareth, va venir les sauver. Non, personne ne viendra vous sauver. Nous voulons tous la liberté. Il faut fédérer pour que tout le monde se batte. Tout le monde doit se battre. Ça ne doit pas venir que nous, les gens de la diaspora. Ok. Voilà, mes soeurs. Bonne soirée à vous. On va laisser Agnès lundi parler aussi. Oui, je venais justement parce que j'ai l'impression que le live est... à l'heure du jour, c'est parler de M. Camteau. Voilà, je ne comprends pas. Non. On me dit, toi, tu viens et tu parles aussi de lui. Mais je comprends que le Cameroun n'est pas fait que d'un parti politique. Tout le peuple camerounais pense que l'avenir, ce n'est pas ce parti politique. On a tous envie de voir un changement au pays. Donc, venir sur un direct, j'ai entendu une dame qui est montée en live, a passé son temps à décortiquer ce que fait Camteau, ce qu'il ne fait pas. Mais ce n'est pas ça qui est l'essentiel. On voit des choses qui bougent au pays. J'ai vu que Cabral est allé à l'Assemblée nationale. Voilà, donc il faut encourager les gestes qui tentent à faire bouger notre pays. Ne pas être omnibulé par un certain monsieur Camteau. Tous les jours, quand on ouvre un live, on n'entend que son nom. Je ne sais pas. C'est un parti politique. Chacun se bat de son côté à sa manière. Je ne comprends pas pourquoi chaque fois que quand on vient sur un live, il faut déjà dénigrer les actions de ce parti. Il faut essayer de trouver la faille qu'il a fait, qu'il n'a pas fait. Mais il n'est pas omniscient. C'est-à-dire que nous, les activistes ici, quand nous on fait ce qu'on fait, ça ne dépend pas de lui. Quand on supporte un parti politique, c'est parce qu'il est dans la mouvance de ce que nous on attend au Cameroun, de tous nos enfants qui passent le temps à dormir et que personne ne veut bouger. C'est pas qu'on va attendre que... Voilà, on va tout le temps attendre on va tout le temps parler d'un parti politique. En même temps, on rend ce monsieur et son parti vivant parce qu'eux, ils travaillent. Parce que j'ai l'impression que les gens disent que ouais, il a raté le coche le jour où il n'est pas sorti. Mais il était sorti, il a demandé à venez avec vos enfants, vous laissez vos enfants à la maison. Il n'a pas dit que venez, il a dit allez chercher vos parents. Parce que il n'a même pas dit allez chercher. Il a dit allez chercher vos parents. Vos parents. Hein? Venez, on va se battre. Voilà. Et il était dehors. Il s'est battu avec avec le peu de personnes qui sont sorties avec lui. Quand il était en prison, j'ai entendu quelqu'un dire ici, oh, il n'était pas en prison, il était caché quelque part. Non. Là, il y a une nuance. C'était par rapport à Mourobelinga. Elle disait qu'il n'était pas en prison. Que quand le père Maurice Amt était en prison, on voyait les photos, on avait les preuves qu'il était en prison. Mais pour c'est une confusion. Donc, voilà. La personne qui parlait tout à l'heure, je la connais bien dans la lutte. Nous étions dans la lutte dès le départ. Je la connais très bien. C'est une personne qu'on connaît, c'est une petite amie qu'on connaît très bien dans la lutte. Hein. C'est les jumelles de Lyon. Plusieurs fois, sans conteste. Mais depuis le jour qu'elle a tourné le dos à Camteau, on dirait que c'est Camteau seul qui fait la lutte. La lutte, c'est chacun qui sait pourquoi il sort. On ne sort pas pour un leader qui... Voilà, on sort parce qu'on veut un changement au Cameroun. Agnès Lundi, voilà que je vais te dire donc. Voilà donc... Par rapport à la notion de leader, là.
chaque fois, quand on veut parler de, des personnes qui bougent au Cameroun, on dit votre leader. Quand on dit votre leader, vous parlez du leader de qui? Parce que justement, on voit que ce parti s'est bougé au Cameroun. C'est le seul qui tient fort le désir du changement. Les activistes disent, bon, il faut renforcer ce parti parce qu'ils donnent, pas l'impression. Ils ont envie qu'il y ait un changement au Cameroun, même si ce n'est pas lui qui devient président. Mais regardez un peu la voie que prend, la voie que prend cette personne. Ne dites pas que tout tourne autour de lui. Et tout, lui ne se bat pas pour lui. Et même s'il n'est pas président demain, ce n'est pas un problème. L'éveil de conscience. Qui tourne le dos à Kamto comment? Hey, qui va tourner le dos? Hein, Masso? Qui tourne le dos à Kamto? Ah, tourne le dos à... Bah, c'est ça, les gars, parce qu'elle a dit, ok, tourne le dos à Kamto, comment ça? Non, franchement, au fond de moi, je trouve déplorable la manière dont on mène notre lutte, parce que justement, je me dis, bon, pourquoi les problèmes qui minent notre pays, personne ne met le doigt là-dessus et puis on renforce, parce que c'est ça qui va se faire bouger le peuple. Chaque fois, si on se met en ligne, si on se met sur des lives pour parler d'un leader politique qui ne fait que mener une bataille, que nous aussi, on a envie que ça débouche sur quelque chose. On ne veut pas absolument qu'il soit président. C'est parce qu'il il nous ouvre la voie pour qu'on ait envie de se battre. Hein? Voilà, c'était tout. Parce que justement, je ne comprends pas que... Ben, non. Franchement, réfléchissons-y. Agnès Lundi, attends un peu, je te dis quelque chose. Bien, bonsoir. Attends, je te dis quelque chose. Agnès Lundi, c'est pareil comme j'ai dit... Attends, Maëtone, s'il te plaît, je vais répondre à Agnès Lundi. Et à voilà. Tous ces gens du MRC, mon Dieu, foutez-moi la paix, ok? Non, mais c'est pas possible, c'est-à-dire que vous êtes comme... Vous êtes pire que les gens du RDPC. Sincèrement, vous êtes pire. C'est-à-dire que vous n'avez... Je n'ai jamais... Attends, laisse-moi parler. Tu as parlé, hein, soi-disant, on était dans la lutte, blablabla, blablabla, depuis que j'ai tourné, je n'ai jamais tourné le dos à Kamto. Je suis libre de donner mon... Non, mais tu me laisses parler. Je n'ai jamais tourné mon dos à Kamto. J'aimais juste une... Et je ne suis pas venue dans le live pour parler de Kamto. On parlait des choses de la soirée où les sous ont été volés par un certain monsieur Bug. Et c'est là que j'ai surenchéri pour dire que c'est des choses comme ça. Si depuis, on avait limogé des gens comme Henri Djoko, qui depuis font la merde dans la lutte, on n'en serait pas là. Et c'est l'erreur de Kamto. Donc, c'est-à-dire que quand on dit que Kamto a fait une erreur, c'est comme si on avait dit que... C'est comme si on, sincèrement, c'est comme si... Dès qu'il y a une parole sur Kamto, c'est comme si on vous avait même poignardé. Mais en fait, vous êtes pire que les gens du RDPC. Non, mais vous êtes pire que les gens du RDPC parce que vous ne laissez jamais avoir... C'est une manière de parler qui est étonnante. C'est ça exactement. Quelle comparaison? Non, il n'y a pas de... Non, mais tu sais, ma chérie, voilà, la comparaison... Voilà le truc où je dis comparaison n'est pas raison. Non, parce que c'est par rapport à ta compréhension. Quand tu es de l'opposition, nous aussi, on est de l'opposition quelque part. Donc, je ne vois pas en quoi ce qui se passe dans leur parti et qu'on parle de Arine Djoko, on parle de Kamto, ça va nous impacter autant. Pourtant, on sait que dans un gros... C'est ce qu'on vous reproche, vous les pas. C'est ce qu'on vous reproche. Vous êtes pire que les gens du RDPC. Attends, parce que moi je vais descendre. Vous êtes pire que les gens du RDPC. C'est-à-dire que vous ne vous entendez même pas. Exactement. Vous êtes pire que les gens du RDPC. Et le jour où le MRC sera au pouvoir, vous serez pire que... Parce que chaque jour, vous êtes sur les plateaux, t'es là en train de critiquer Biya. Hein.
en train de l'insulter, en train de critiquer Cabral, en train de critiquer tous les partis politiques. Les gens ne disent jamais rien. Du moment qu'on parle de Capo... Qui gère le pays? Qui gère le pays? Il n'y a pas de délabrement de pays, dépend de qui. Et s'il te plaît, parce qu'on ne peut pas parler en même temps, c'est où tu me laisses parler, parce que tu as parlé de moi, c'est pour ça que je me suis permise de monter, et tous ces gens-là, qui sont dans, arrêtez de dire que... Là, et tu m'écoutes après. Non, mais je t'écoute après, il n'y a pas de souci, moi juste tu me laisses parler, vous ne parlez pas à ma place, d'accord? Je pense que quand je me suis levée de chez moi, à lever mes pattes, mes pieds qui sont là... C'est personne qui m'a emmené dans ce combat, d'accord? Ça, on est bien d'accord. Que ça rentre bien dans vos oreilles. Parce que je pense que vous pensez que c'est vous qui m'avez convaincu. Non, 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 non. J'étais seule chez moi. Et je pense même que j'étais bien là avant vous tous. Qui êtes là en train de brailler. D'accord? Donc, exactement. Donc, je n'ai jamais insulté Kamto. C'est un du moment que on émet. À ma vie, sur Kamto, c'est comme si on n'a pas le droit de parler, c'est comme si on n'a pas le droit de même émettre une critique sur Kamto, c'est comme si c'est interdit, quoi. Mais arrêtez un peu, ce n'est pas une dictature. Ce n'est pas une dictature. Et ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bien pour l'avenir du Cameroun. Vous devez écouter les gens, ceux qui émettent les critiques sur Kamto, Attends un peu, calme-toi. Non, mais ça m'énerve, dès que tu parles de Kamto, calme-toi un peu, on va essayer d'orienter le débat, calme-toi d'abord, on essaie d'orienter le débat, parce que ça va dans tous les sens, on ne va pas s'en sortir, sinon ça va aller dans tous les sens. Je voudrais un peu répondre à Agnès Lenzi, tu vois Où est-ce que le problème se situe? D'où peut-être l'énervement de Larissa? Le problème se situe au niveau où les gens ont toujours tendance à dire que pourquoi est-ce qu'on parle du NRC alors qu'il y a d'autres partis politiques? Nous parlons du NRC pourquoi? Parce que le seul parti qui nous a convaincus jusqu'ici, c'est le NRC. Et le seul parti avec qui les activistes que nous sommes, nous avons embrassé, c'est l'école NRC. Nous avons porté, c'est l'école NRC. Et lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, nous sommes libres, nous, combattants activistes, de reculer, de dire que nous ne sommes plus d'accord. Où nous ne sommes plus contents avec certaines choses. On fait le tour de parole, il faut après laisser la parole aussi à d'autres. Justement, tu as parlé, Agnès Lindy, quand tu es arrivée, je te réponds un peu, j'oriente un peu le débat pour que tu relances, pour que tu rebondisses. Donc, si peut-être les gens comme Larissa, c'était quelqu'un qui était... qui était en soutien aussi, comme tous les activistes, en soutien au NRC, le seul parti qui, jusqu'ici, nous a convaincus du changement. Et si certaines personnes ne sont plus d'accord par rapport à certaines choses, que quelque chose, peut-être quelqu'un a été blessé, quelqu'un peut-être, la personne est libre de dire que je ne suis plus partisan de ce parti. Franchement, je suis dépassée. Agnès Lindy, même si hier, quelqu'un a été avec le MRC et aujourd'hui dire que je ne suis plus partisan, je préfère rester activiste, je ne suis plus là en soutien au parti. La personne a le droit, ce n'est pas la vie. Et de tout ce qui est, tu as eu l'impression que je demande aux gens de soutenir à tout prix pour Kamto, de tout ce que j'ai dit. Donc ce n'est pas, là vous êtes en train de dévier le sujet. C'est quoi? C'est que quand on parle du NRC, vous avez tendance à dire que pourquoi est-ce qu'on parle, pourquoi il y a d'autres partis? Pourquoi on parle que du NRC? Je te rebondis donc en se disant que le NRC est le seul parti. C'est un parti qui donne la sueur froide. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le mot, c'est quoi? C'est que ce n'est pas de ça qu'il s'agit.
Je ne veux pas qu'on dise j'aime pas le MRC parce qu'il a, il n'a pas critiqué telle action de telle chérie, artiste. Ma chérie, pas... ma chérie, attends, attends, attends. Non, tu as parlé. Attends, je ne te coupe pas. Je ne coupe pas. À quel moment je laisse parler. À quel moment non, tu dis que... À quel moment non. Du tout, je n'aime pas le MRC. Je ne sais pas qui toi t'as dit, mais je vais faire... pourquoi tu penses que je parle de mais toi? Mais parce que tu as parlé de moi, donc en je général, réponds. En général, le que j'ai entendu... Moi, tu as bien tu as prononcé mon prénom, donc je te réponds. Oui, non, mais tu m'as déjà répondu une première fois, tu peux me laisser parler. On va se calmer, les filles, on va se calmer. Tu m'as déjà répondu il y a une minute depuis que tu es lancé, je lui parle. Personne ne coupe personne. Si quelqu'un coupe, moi, on coupe le direct. Ça vaut de voir. Oui, oui, oui. Parce que là, vous voulez vous. Là, Larissa, tu écoutes. Agnès Dendy finit. Bon, voilà. Et c'est moi qui. C'est moi qui écoute. Moi, je ne sais pas. Attends, ma étonne, ma luxe. Moi, je vais descendre. Je vais descendre parce que. Si chaque fois, je vais descendre et puis c'est elle qui prend la parole. Oui, mais... Donc, c'est pas comme ça qu'on mène un débat. Je vais descendre. Parler. Je vais détendre, tu vas t'exprimer, ma chérie. Je vais détendre. Là, vous êtes en train de faire des ordres. On ne va pas y arriver. Soit une, point, la patience d'écouter l'autre. Soit, voilà, on sort du direct et puis voilà, on va faire dodo. Oui, bon, qui doit parler alors parce que c'est, je ne sais pas qui doit donner la parole. Agnès Indy va te répondre depuis et prends la patience d'écouter, s'il te plaît, ma chérie. Oui. Donc, je disais que, justement, dès que je suis rentrée dans ce live, le débat, je ne savais pas c'était quoi le sujet au départ. Donc, dès que je suis rentrée, j'ai entendu qu'on parlait que de l'organisation du MRC, de Kamto, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Et j'espérais que le vrai débat soit autour de comment on va faire pour que le Cameroun se libère. Parce que justement, que Kamto monte et qu'il descend, il y a d'autres partis qui sont en train d'émerger, qui émergent. Il y a d'autres partis qui s'expriment jusqu'à l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est de ça que nous devons parler pour aider que les jeunes comprennent que nous sommes dans la même mouvance, le changement. Parce que si on vient sur un direct, on parle d'un seul parti, on a l'impression qu'on veut que ce parti soit celui qui va prendre le pouvoir. Nous, on demande aux gens, par exemple, de s'inscrire sur la liste électorale. Ce n'est pas pour aller voter Kamto. Ce n'est pas pour aller voter Cabral. Ce n'est pas pour aller voter Nietzsche. On veut des partis qui sont en train d'émerger avec des vrais leaders qui sont en train de se battre à nos côtés. Voilà ce que moi j'entends quand je parle de Kamto, par exemple, de ce qu'il fait pour le Cameroun, enfin pour que le peuple se lève. Voilà ce que je fais quand je parle, par exemple, si je parlerai de Cabral, c'est dans son action aujourd'hui, quand il est parti réclamer à l'Assemblée nationale quelque chose. Moi j'ai apprécié son action. Voilà ce que je ferai. On a parlé de ça au début du live, hein. On a parlé de ça. J'ai même montré ça. On ne faisait que descendre M. Kamto avec ce qu'il n'a pas fait. Ça, ça m'a un peu changé. Kamto, Agnès Kendi. J'avais rentré sur les lives. Mais la luxueuse, vous avez beaucoup de chance. Hein, je ne parle jamais dans les lives. On n'a pas descendu. On n'a pas descendu Kamto. Non, pas parce que Kamto, mais parce que justement, je voyais que bon, il y avait tellement de sujets aujourd'hui et je. Je pense que quand vous avez ouvert ce compte-ci, c'était la réunification et puis parler dans le même sens, c'est-à-dire que essayer que les Camerounais se lèvent. Tous les jours, si on vient sur un direct, on dit, vous pensez que les Camerounais vont se lever? Vous voyez ce que Kamto l'a fait même. Est-ce que vous pensez que les Camerounais peuvent le supporter? Mais vous n'encouragez pas les jeunes à se battre. Ça veut dire que tu ne nous suis pas. Ça veut dire que tu ne nous suis pas. C'est ce que j'allais lui dire. J'ai l'impression que tu ne nous écoutes pas. En regardant l'action de Kamto et de tout ça, et de Cabral, d'autres leaders peuvent se sortir de nulle part. C'est ce qu'on veut encourager. Mais si tous les jours, une personne qui se lève, on ne parle pas. Le commandant en direct. Se battre en même temps que pardon, coupé. Bon, ok, je m'arrête là. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Comme ça, on va continuer plus tard.
la prochaine fois. Allez, j'espère souvent te voir sur le plateau. Hein. Oui, oui, comme tu l'as dit, hein, c'est la réunification, c'est pour tout le monde. Hein. Tout le monde est invité. Voilà. Merci d'être là, le commandant Kalifé. Elle doit venir souvent parce que je crois qu'elle ne vient pas souvent parce que moi, c'est la première fois que j'entends parler de Camto ici. Hein. Moi, c'est la première fois. Franchement, c'est la première fois. Donc, je ne sais pas d'où est-ce que Madame Agnès sort ses discours. Mais moi, c'est la première fois. Oui, oui, rendez-vous dimanche, Basso. Rendez-vous dimanche. C'est censé ou pas. C'est ça qu'il faut regarder. Il ne faut pas regarder si c'est la première fois. Ça veut dire que tu ne nous écoutes pas. Pourquoi on va avancer? Oui, tu ne nous écoutes pas. Nous, on ne critique jamais le professeur Maurice Camto ici. Nous, on est dans le rassemblement. Et on interpelle aussi nos frères. On interpelle souvent aussi nos frères. Hein? Hein? Ok. La reste, tu peux descendre. Mars veut monter pour faire son. Ouais, pour parler. Non, mais ok, il n'y a pas de problème. Moi, je veux juste dire que. Les gens du MRC et de sympathisants de Camto, s'il vous plaît, je ne suis pas contre ce monsieur que j'affectionne beaucoup, je vous en prie, mais nous sommes dans une démocratie, je pense qu'on aspire à une démocratie, nous sommes libres d'avoir nos pensées et vous devez les respecter, comme moi je respecte les pensées de tout un chacun, je n'ai jamais critiqué les pensées de tout un chacun, vous devez respecter ça. Et ce n'est pas parce qu'on aimait, parce que si vous voulez que le Cameroun change, c'est que vous devez aussi accepter les critiques. Et c'est là que vous avez beaucoup de mal. Et c'est pour ça que les gens ont beaucoup de mal à vous suivre, parce que vous n'acceptez pas les critiques. Pardon, c'est ce genre de vous là que j'aime pas. Bah, on a un peu un message qui ressemble. C'est vous les gens du MRC. Je commençais par, bon, la récession. Bon, moi je descends, Voilà ce que tu dois comprendre. Voilà. Je descends, pardon, parce que voilà, il faut qu'on libère l'antenne. Voilà, on va continuer le débat là plus tard. C'est passionnant, mais voilà, on peut pas. Voilà, on va pas rester là toute la nuit. Masso. Oui. Bonsoir Agnès Lundi. Bonsoir Solange, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Bah, tu as une belle voix, hein. Je dirais que tu es pertinente. Après, comme tu n'arrêtes pas de titiller aussi, j'avoue que vraiment, tu as beaucoup à donner. Hein. Super. Voilà. Donc, merci de m'avoir reprise. Je monte seulement ici pour le moment pour vous dire, voilà, dimanche, nous avons un rendez-vous à ne pas manquer, un rendez-vous qui va parler de tout, ça va nous réunir autour du même sujet, le combat, le changement au Cameroun. Ça va se passer sur la page Tribune du changement au 237. Ah oui, le Cameroun sera libéré que par les femmes. Exactement. Et je remercie Larissa parce qu'elle est pertinente à la base. Quand tu comprends dans le fond, elle n'a vraiment aucun problème avec le président. Non. Elle exprime son ressenti. C'est-à-dire, elle est vraie, elle est entière. Elle dit ce qu'elle pense, sans langue de bois. Donc, pour ça, on ne va pas en faire une histoire. Donc, rendez-vous dimanche, je vous en prie, dimanche à 19h. Soyez connectés. Si nous voulons... Masso, comme 19h. Oui. Tu n'avais pas fini le live là, parce que le collègue était live d'une éternité. Ça ne va pas durer. Avec le commandant, on s'est entendu pour trop 2 heures. Ça ne va pas durer. Donc, que le peuple ne se lève pas, ça ne peut pas se faire. Parce que justement, ceux qui osent se lever la tête pour dire que bon, on se bat pour les Camerounais, vous mettez le bashing. Non, ça ne va pas marcher. On ne fait pas comme ça. On va supporter tous ceux qui ont tendance à faire que le Cameroun se bouge. Chaque fois que vous venez, vous descendez tous ceux qui veulent se lever. Vous voulez qu'ils se lèvent. Tu parles de quoi, Agnès? Je n'ai pas compris où tu nous amènes dans ton débat là maintenant. Moi, je te vois de rendez-vous dimanche et tu nous amènes à autre chose. Oui. J'ai comme l'impression que Agnès ne nous écoute pas. Mayumbi, toi-même, tu nous connais ici, non? Agnès, c'est exprès. On se connaît, non? On se connaît. Agnès, elle dit on se connaît, non? Tu me connais, non?
On se connaît. Même sans se voir, on se connaît. On se connaît. Voilà, non, ma Agnès. Ma Maroupéro préférée. Tu sais que moi, je t'aime. Ma Maroupéro préférée. Je suis en train de parler de dimanche parce que je suis venue parler en bref pour partir. Elle nous ramène autre chose. Où est le rapport, Agnès? C'est parce que quelqu'un m'a posé la question là. Je répondais à Yves Bertrand. Ah, d'accord. Ah, ok, d'accord. Désolée, excuse-moi. En fait, rendez-vous dimanche. L'invité sur la plateforme Tribune du Changement 237 sera notre commandante et Calibri Calibro. Et tel que nous avons dit, même si le changement va venir, Agnès vient de dire quelque chose de très pertinent. Elle a dit un truc là, sans toutefois mettre Kamto au centre, elle a parlé de tous les partis politiques. J'espère avoir entendu ça. Vous avez entendu? Voilà. Donc, elle est dans le sens de la libération du Cameroun. Et c'est ça qui est le plus important. Donc, sur ce, je remercie cette plateforme qui nous a vraiment, ça dit, on a fait de très très belles choses. L'échange était dégustant. Mmh. J'ai dégusté avec beaucoup. J'avais l'impression d'être que c'est soir, la boxe. La dégustation était ouf. J'ai beaucoup aimé. Donc, rendez-vous dimanche, préparez vos questions. Je serai à cœur ouvert avec le commandant T. Calibri, à ne pas manquer. Sous aucun prétexte. Voilà. Mm-hmm. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Samedi, le combat continue. On va fermer la. Agnès, tu vas chuter, s'il te plaît, ma grande. Non, pour chuter, je dirais simplement que vraiment, soyons un peu plus rassembleurs. Parce que bon, je ne suis jamais venue sur un live. Je suis venue sur ton live. Désormais, tu m'as venue. Aucun live. Moi, personne. Enfin, bon, c'est rare. C'est très, très rare. C'est pour te dire vraiment, tenez bon. Arrêtons d'aller à gauche, à droite. Finalement, on ne sait plus où on va. Donc, franchement, je tiens à ce que, voilà, vos engagements, nos engagements se poursuivent. Nos engagements, c'est pour nous. Ça, voilà, oui, quand je dis vos, parce que c'est vous qui avez ouvert la plateforme, et je dis nous, parce que nous viendrons intervenir. Mm-hmm. Donc, il faut vraiment rassembler, parce que c'est ça qui est important. Et que ça demande à ces jeunes-là, on attend le soulèvement populaire. Mais si les gens viennent écouter que des choses qui divisent, justement, c'est pour ça que je dis que tu ne nous écoutes pas. Viens souvent nous écouter. Tu comprendras qu'on a un discours rassembleur sur la plateforme. Tu comprendras. Nous, on a un discours rassembleur. Viens souvent nous écouter. C'est pas parce que nous, on a parlé. C'est pas parce que Larissa a parlé de Kamto. Nous, on ne parle jamais même du professeur Maurice Kamto ici. Hein. Non. Nous, on ne parle jamais de lui ici. Nous, c'est ici sur le combat. Rien que le combat. Très bien. Moi, je dis pas non. Mais j'ai dit. Donc ici, nous, on a un discours rassembleur. À ce que le Camerounais se lève. Parce que chaque fois qu'on va venir dire ça, c'était bon, ça, c'était pas bon, alors que ce n'est même pas la personne qui gère le pays, alors qu'il y a plein de choses qui ne marchent pas au pays. Elle parlait par rapport. Non, je ne parle pas de quelqu'un. Ouais, je parle en général. Oh. Ok. Non, je ne parle pas de quelqu'un. Je parle en général. Mais on a aussi le droit de critiquer, non? Ce n'est pas parce qu'on critique qu'on n'aime pas les gens. Donc, passons à autre chose. On a aussi le droit de critiquer. On dit critiques constructives. Parce qu'on ne va pas rabâcher les mêmes histoires tous les jours pour dire qu'on critique. Non, il faut critiquer et puis donner la position qui va permettre d'avancer. Parce que finalement, si on critique et qu'on reste au statu quo et on demande aux Camerounais de se lever, je ne pense pas que quelqu'un a envie de se lever. Hein. Parce que justement, on dit que ben, finalement, il n'y a rien qui peut se bouger, il n'y a personne qui peut nous représenter. Ici, il faut des leaders. Faisons envie aux gens d'être des leaders. Parce que dès qu'on critique comme ça, quelqu'un qui se lève, il n'y a pas d'autres personnes qui ont envie de se lever. Parce qu'ils disent que bon, si je me lève, là, on va dire que moi, je suis qui. Si je me lève, on va dire moi, je suis qui. Ben, c'est comme ça. Il faut qu'on encourage les actions des gens qu'ils appartiennent au parti ou pas, au Cameroun, qui font des choses. Voilà, c'est ce que je voulais dire, en fait, pour conclure.
Ah, bravo, Agnès. Bravo, ma chérie. J'espère te voir de plus en plus dans les lives. Je viendrai. Il n'y a pas de souci, ma grande. Je viendrai, ma sœur. Mais moi, j'ai passé une agréable soirée avec vous. C'était vraiment excellent. J'ai aimé. Voilà, malgré les petits... Okay, bonne soirée à vous. Merci à tous ceux qui nous accompagnent ce soir. Bonne soirée, Agnès Venti, merci beaucoup. Bonne soirée à toi, bonne soirée à toi, rendez-vous dimanche. Le débat était houleux. Et cela, on vous dit. Voilà, on s'en sort toujours. Bonne soirée luxueuse. Et puis, Marceau. Oui. Rendez-vous à dimanche à... Comment on sort? 19h. Ok, tout le monde a compris. Avec le commandant de Calibri Calibro. Exactement. Ok. Ma Juju. Oui, ma Juju. Bonne soirée. Bonne soirée à tout un chacun. Bonne soirée. On passe le commandant, il est en direct. On se dit d'accord. À demain, on va rejoindre le commandant en live. Allez, bisous, baba. Bisous, bisous à tout le monde. Bisous, bonne soirée à tous ceux qui sont là. Merci. Ok.